Oui, bonsoir tout le monde. J'ai le regret de vous annoncer que Anne-Marie Châtelet, qui a organisé en fait cette soirée, ne pourra pas se joindre à nous, malheureusement, à cause d'un petit souci de santé. Donc, ce qui, accessoirement, me laisse l'honneur de vous présenter M. Jean-François Cabestan, ce qui n'est pas une tâche très facile, hein, vu les compétences de M. Cabestan dans bien des domaines. Alors, il est architecte, diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles en 1991. Il est également architecte du patrimoine, diplômé donc de l'École de Chaillot en 1995. Il est historien de l'art et de l'architecture avec une thèse sur l'architecture domestique parisienne au XVIIIe siècle, si je me souviens bien, qui a été soutenu en 1998. Il a enseigné l'histoire et la réhabilitation des bâtiments anciens à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles à partir de 1993. Et depuis l'an 2000, donc, il est maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, il s'est spécialisé en fait dans le domaine de la transmission et l'interprétation du patrimoine bâti. En parallèle avec ses activités de recherche et d'enseignement, il est également un homme du terrain. Il est associé dans l'agence Attrapa, donc atelier de transformation des patrimoines. Et donc, il est également critique d'architecture. Il a une chronique dans l'AMC, la revue AMC Moniteur, depuis une dizaine d'années. Et donc, il a également son propre site internet, Archicab, que je vous conseille d'ailleurs de consulter, dans lequel il traite en fait de l'actualité des opérations de reconversion, de réhabilitation du bâti. Il a publié récemment un ouvrage qui nous a donné l'occasion et le plaisir de l'accueillir ici à Strasbourg, sur les grands magasins samaritaines, des origines à aujourd'hui. Et donc, voilà, je lui passe la parole pour une conférence d'une heure environ. Et puis après, on aura des questions-réponses à la fin jusqu'à 20h30. Merci et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ces propos tellement élogieux. J'avoue, je suis toujours très intimidé. Je suis venu ici les mains dans les poches et tout à coup, est-ce que ça marche peut-être ce micro? Vous entendez bien? C'est vrai? Quelle chance. Voilà. Et donc, c'est à moi. Puis surtout, je viens à la suite de gens tellement plus compétents que moi sur toutes ces matières. Je suis presque vraiment tout à fait intimidé de prendre la parole ici. Rassurez-vous, j'ai du métier, ça va bien se passer, tout va très bien. J'ai une heure, c'est vraiment pas beaucoup pour vous raconter cette histoire merveilleuse. L'histoire de la Samaritaine, de Zola. De Zola à Sana, je me suis vengé en donnant le titre à cette conférence ici à Strasbourg parce que c'est le titre que je voulais pour le bouquin. Or, le bouquin, c'était un faisceau de tirs croisés entre la maison d'édition, entre LVMH, et puis également mon associé avec qui ce bouquin a été fait, Hubert Lempereur, qui pourrait aussi juste titre que moi, présenter cette affaire. De Zola à Sana, tout ce que vous voulez savoir sur ça. Oh, bon, ça, j'y vais un peu fort. Bon, très bien. 1883-2016. 1883, parce que c'est le moment vraiment où le chantier de la Samaritaine, cette Samaritaine qui a fait rêver tant de gens, a démarré. 2016, parce que c'est une histoire qui, ponctuellement, on s'arrête maintenant. Mais je vous montrerai des photos, encore toutes récentes, du début de l'année, qui vous montrent le chantier en cours. Tant il est vrai que je crois que pour la formation des architectes, j'ai enseigné, en effet, vous l'avez dit, la question de la reconversion des édifices du passé, d'un passé même récent. Je m'occupe de toutes sortes d'édifices, quand je m'occupe de la Halle Fraissinet, quand je m'occupe par exemple du musée des arts et traditions populaires, un édifice magnifique peut-être que vous connaissez, qui est à Paris, un peu en danger. Voilà. Donc la question, c'est bien de parler de ces objets à travers le temps,
puisque c'est voilà, l'exemple de la Samaritaine, c'est beaucoup une histoire de stratification où il est énormément question d'architecture. Nous avons, avec mon associé Hubert Lampreur, été appelés à étudier, faire une sorte de complément d'études avec des préconisations sur ce qu'était la Samaritaine dans l'état dans lequel elle se trouvait à la fin des années 2000, de 2009-2010, par là, et se rendre compte qu'est-ce qu'il y avait là-dedans d'intéressant, qu'est-ce qu'on devait préserver, qu'est-ce qui était un sujet de dévotion patrimoniale, étant entendu que, vous le savez, peut-être vous en avez entendu parler, la Samaritaine, en tout cas à Paris, on en a très souvent parlé, l'histoire du chantier de la Samaritaine, le permis de construire la Samaritaine, qui a été accordé du bout des lèvres, puis retiré, puis de nouveau contesté, c'est remonté jusqu'au Conseil d'État, qui a fini par trancher en faveur de la réalisation. C'était en juin dernier, voilà, et c'est pourquoi le chantier se fait. Alors, quelques éléments de compréhension. Voilà, déjà, actuellement, car je crois que tout bon historien, de partir de la situation actuelle, si je devais étudier maintenant la Samaritaine, eh bien, je partirais de ces images. Nous sommes rue de Rivoli. On voit une portion d'un îlot qui a été presque entièrement détruit, puisque vous voyez ici, juste une petite frange, ici, ce dièdre d'immeubles du 17 et 18e siècle, conservé une trace dans cet îlot de stratification ancienne. Et ici, cette admirable façade, une des plus engagées, je dirais, de l'architecte Franz Jourdain. On abat les cartes tout de suite. Il y a deux architectes pour la Samaritaine essentiels pour l'histoire qu'on va faire, sans compter évidemment ce qui se passe maintenant avec l'équipe de Sanaa, Kazuyo Sejima et Ruyo Nishizawa. Ici, voyez-vous, donc il y a Franz Jourdain. Je pense que Franz Jourdain, Jourdain comme Monsieur Jourdain, ça s'écrit comme le Jourdain, comme le fleuve, tout ça. Franz Jourdain, qui est un architecte qui n'est pas assez connu, sur lequel il y aurait vraiment certainement du grain à moudre, du travail à faire. J'envisage moi-même d'aller fouiller cette question-là. Franz Jourdain, qui est un des deux architectes avec Henri Sauvage. Alors Henri Sauvage, celui-là, vous le connaissez plus, parce qu'on est sur l'architecture. Vous avez sûrement entendu parler de l'immeuble à Gradin, par exemple, de la rue Vavin. Voilà, ce genre de choses. Nous sommes dans les années, sur la toute première partie, donc du 20e siècle. Et vous voyez déjà cette façade ici, si on fait abstraction du comble à la mansarde et puis des lucarnes qui sont ici un peu héritées de la manière française et peut-être du grand siècle, vous avez là-dessous une façade de pans de fer et de verre parmi les plus étonnantes qui soient, quand on pense que ces façades, leur origine et la conception de ces façades remontent aux années 1890. Alors, voici une image qui a été galvaudée, que vous trouvez absolument partout, qui montre que le projet dont il est question concerne deux îlots, n'est-ce pas ? Le plus gros qui est ici, en façade sur la Seine. Cette façade, c'est celle de King Kong. Peut-être vous connaissez les publicités, le grand singe qui monte à l'assaut de la Samaritaine et qui brise une vitre et avec ses grosses paluches attrape une merveilleuse actrice américaine dans le creux de sa main qui a failli du reste mourir étouffée pendant le tournage. C'est un détail. Et on trouve tout à la Samaritaine, le slogan que vous connaissez. Voici le gros îlot qui était l'ancien magasin 2 et puis ici le magasin 4 qui est un autre îlot et celui-ci est très largement donc repris puisque tout ceci, voilà, cette fameuse façade, ce linéaire de façade qu'on voit ici à l'envers, qui a tant fâché, qui a fait qu'on a parlé pendant plusieurs années de la Samaritaine, pour, au fond, ne parler guère que de ce linéaire de façade sérigraphié, je vous montrerai, mais vous voyez que c'est beaucoup plus que ça, c'est surtout la recomposition de deux îlots dont il était question. Alors, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi l'importance de cette Samaritaine, naturellement, je ne vais pas vous embêter avec trop d'histoires, mais vous connaissez certainement ce plan des artistes, le plan de Pate, n'est-ce pas, pardon, le plan de Pate, P-A-D-T-E, n'est-ce pas, 1765, et qui, à un moment donné, où on envisage d'embellir la capitale, s'interroge sur les possibilités. Et ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, eh bien, c'est le nombre de compositions qui se mettent en façade sur la Seine. C'est-à-dire qu'à Paris, la question se pose de la même manière à Strasbourg. Est-ce que la ville se tourne ou non sur ses canaux sur le fleuve ? À Paris, en fait, le retournement de la ville sur le fleuve est une chose assez récente et remonte, au fond, au Pont Neuf, avec de proche en proche, au XVIIe siècle, différentes choses, la galerie du Bordelot, plusieurs choses. Et donc, ceci est important pour comprendre pourquoi cette Samaritaine, à un moment donné, la conquête d'une façade
façade sur le fleuve revêt une telle importance? Ici, vous avez précisément... Alors, la Samaritaine, c'est d'abord ceci à Paris. C'est une pompe hein, qui est accrochée au pont Neuf. La Samaritaine, c'est, évidemment, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Vous savez bien qui fournit de l'eau. Et donc, c'est de ce nom, n'est-ce pas, qui hérite la Samaritaine de Cognac-Jay. Et on se met dans un endroit très particulier dans Paris. Voilà l'île de la Cité, voilà le pont Neuf, voilà les berges. Vous reconnaissez le Louvre. Voici, c'est le plan de Berniquet. On est un peu tôt, on est 1790. Et pour vous montrer qu'à cette époque, vous voyez, décidément, c'est très très... Ah, je crois que je vais utiliser la souris, ce sera plus sûr. Et donc, voilà, ici, ce pont Neuf, cette rue qui est ici, de Saint-Eustache, ici, au carrefour de Bussy, voilà une rue qui s'est faite petit à petit par portion, n'est-ce pas, pour faire une sorte de doublure du cardo ici. C'est un lieu qui est entre le quartier des Halles et puis la rive gauche. C'est un lieu très, très important. Voici une photographie ancienne qui montre la situation depuis le pont Neuf et cette rue qui va jusqu'à Saint-Eustache. Et tout ceci qui va... progressivement devenir la Samaritaine, c'est-à-dire que c'est un phénomène de substitution urbaine, parcelle à la parcelle d'abord, puis îlot par îlot, et vous voyez un petit peu comme ces conquérants qui mettent le drapeau sur l'île qu'ils envisagent, les terrains qu'ils envisagent d'envahir, les Cognac-Jay, parce que maintenant j'ai dit les noms des deux commanditaires, c'est Ernest Cognac et puis Marie-Louise Jay, son épouse, et qui sont au fond les auteurs de cette fantastique odyssée commerciale et urbaine, c'est-à-dire imaginer que dans le centre, une capitale complètement saturée, n'est-ce pas, avec un tout petit parcellaire, on va tout à coup constituer des îlots entiers avec quatre magasins, magasin 1, magasin 2, magasin 3, magasin 4. Ça commence avec le magasin 1, vous voyez, c'est par ici que ça commence, on plante des drapeaux, ce qu'ils appellent dans le jargon, il y a tout le jargon de la Samaritaine, puisque j'étais assez proche de l'ancien directeur des services travaux qui m'a révélé toutes ces choses, et donc ils mettaient ce qu'ils appelaient des oriflammes, enfin c'est plutôt des étendards, n'est-ce pas, pour manifester le fait que cet îlot progressivement a été racheté, d'abord par le bout, et puis quelques étages, et puis la parcelle d'à côté, et de proche en proche, comme ceci, avec fusion parcellaire, donc d'un bout à l'autre. Voici ce qui avait donné l'idée à Ernest Cognac de travailler de cette manière. Du reste, vous l'avez vu sur l'image précédente, c'est ici la belle jardinière qui, déjà sous le Second Empire, voilà, sous le Second Empire, avait donné l'exemple, ici au débouché du Pont Neuf, de possibilité de faire un grand magasin en détruisant, alors là, d'un coup, d'éponge, et avec une sorte d'amnésie du tissu auparavant, de faire un grand magasin. Mais la belle jardinière restera ce qu'elle était. Le Samaritaine entrera progressivement en concurrence, mais la supplantera complètement, puisque à l'époque de la belle jardinière, ceci n'est pas encore fait. La Samaritaine viendra s'installer ici. Alors c'est tout un roman que l'histoire de la Samaritaine, avec de sorte d'historiographe attitré, de peintre attitré, qui raconte la fabuleuse histoire d'Ernest Cognac qui arrive de La Rochelle et qui vend dans l'une des corbeilles du Pont Neuf, sous son parapluie rouge, des cravates et des tissus, comme vous voyez ici. Alors, entre le mythe et la réalité, il y a toutes sortes de choses, mais il y a un passage qui est très, très intéressant pour ceux qui... la genèse de la Samaritaine, d'où est-ce que ça procède? Pourquoi est-ce que je vous montre tout à coup ces feuilles écrite à la main? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est que Zola, là on passe sur le plan littéraire, au moment où il souhaite écrire Le Bonheur des Dames, demande à son ami Franz Jourdain, qui est architecte, est-ce que tu peux pas me faire la trame d'un grand magasin? Imagine-moi, vous savez que Zola travaille avec de la documentation. Quand il écrit La Bête humaine, il savait tout sur les locomotives, le charbon, la vapeur et tout ça. Eh bien, pour écrire Au bonheur des dames, il demande à Franz Jourdain, nous sommes en 1863, il demande à Franz Jourdain de lui faire, voilà, une sorte de maquette écrite, n'est-ce pas, manuscrite de ce que pourrait être cette Samaritaine. Et Franz Jourdain accepte et lui écrit 9 feuillets qui sont conservés à la Bibliothèque nationale, et ces 9 feuillets racontent un grand magasin extraordinaire, extrêmement moderniste, beaucoup plus moderniste que tous les grands magasins qui existaient, parce qu'il y avait déjà le Bon Marché, il y avait cette belle jardinière dont j'ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas? Et donc, en 9 pages manuscrites, il rédige toute une description extrêmement émouvante, d'autant plus émouvante que Zola l'a reprise presque textuellement. Ça, c'est un des chapitres du bouquin du reste qui a été traité par une chartiste, Marianne
Clatin, C-L-A-T-I-N, pour ceux qui voudraient retrouver ça dans le bouquin. Marianne Clatin, vraiment, a défriché un terrain extraordinaire. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est l'écriture de Franz Jourdain. Elle est très reconnaissable, pour qui ensuite connaît ses autres autographes. Et dans la marge, ce que vous voyez ici, eh bien, ce sont des commentaires de Zola. Zola qui va recycler donc ces choses-là. Ce magasin décrit par Franz Jourdain ressemble un petit peu à l'une des versions de la Samaritaine plus tard, mais là, on est en train de faire des sauts dans le temps. Pour l'instant, revenons-en aux commentaires, aux notes prises par Zola. Zola qui dessine le plan d'un grand magasin, ou une sorte de basilique avec des chapelles sur les côtés, je passe très vite. Même Zola qui s'intéresse aux détails que lui a donné Franz Jourdain, c'est-à-dire que le grand magasin aura des planchers métalliques et il y aura des voûtins de briques, vous voyez, il y aura des éléments de décor. C'est même extraordinaire que Zola puisse s'intéresser à ce point dans ces détails. Alors, cette histoire, elle précède de très, elle est très en amont de la constitution de la Samaritaine. Parce que qu'est-ce qui se passe? 1863, Franz Jourdain remet ses notes. À la fin de l'année 1863, Au bonheur des dames paraît un feuilleton, n'est-ce pas, dans les journaux. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. À cette époque-là, les époux Cognac-Jay, eux, pour reparler d'eux, commencent à investir la proue de la Samaritaine en une petite boutique, c'est-à-dire qu'on quitte la corbeille du Pont-Neuf pour venir s'installer en proue de cet îlot qui deviendra progressivement le magasin 1. Mais les choses se font tout à fait petit à petit. Parce que maintenant que je vous ai raconté cette fabuleuse histoire et les grands magasins, 1, 2, 3, les quatre magasins, en fait, voilà le site dans lequel nous nous trouvons, voilà le débouché du Pont-Neuf, voilà ce qui finira par devenir les magasins 1, cet îlot. L'îlot constitue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parcelles, comme vous voyez. Et puis, ensuite, il faut quand même avoir, comment dire, une sorte de foi dans la possibilité de conquérir la ville. C'est vraiment la conquête, si vous voulez, d'îlot entier, puisque, en fait, ceci, c'est le magasin 1. Le 2, ce sera ceci. Le 3, ce sera celui-ci. Et le 4, ce sera celui-là. C'est-à-dire, parcelle par parcelle, au fur et à mesure que les possibilités immobilières se font, à force de, il n'y a pas de déclaration d'utilité publique, ce sont des particuliers qui doivent racheter la sueur de leur front, et qui, très tôt, imaginent, dans les années 1890, eh bien, en somme, ce que va devenir la Samaritaine. Ce plan date du tout début du XXe siècle. Ce plan a été publié et ce plan relate, en somme, cet imaginaire tout à fait incroyable parce que, évidemment, pour qui connaît la Samaritaine, c'est évident, bah oui, les magasins 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, pardon, ça s'arrête à 4. Mais, en fait, il a fallu donc racheter et je vais vous montrer comment les choses se sont faites progressivement. Voilà donc Ernest Cognac, Louise Abaconiac, oui, mais elle est neigée, naturellement, du reste, voilà. Et puis, deux créateurs, une œuvre, ça fait partie de l'historiographie, ça fait partie de la mythologie de ces deux personnages, effectivement, qui ont eu une force de frappe absolument extraordinaire au cœur de Paris, d'un Paris qui, effectivement, vous avez bien compris, entre les Halles et la rive gauche, le Pont-Neuf, le débouché du Pont-Neuf, un endroit extrêmement fécond du point de vue des échanges, bien sûr, pris entre le Louvre et le Châtelet. Il se trouve qu'il y avait là un quartier qu'on avait envisagé de reconvertir déjà dès la fin de l'Ancien Régime. C'était un quartier vraiment atteint de paupérisme. Le bâti était en très, très, très mauvais état. Donc, la ville regardait ça d'un bon œil, bien sûr, parce que la ville, évidemment, constate qu'il fallait des autorisations. Et la ville, petit à petit, a accepté. Et voici les dates, si vous voulez, comment ça s'est fait. C'est dans le désordre. Chaque fois que j'en ai parlé à des journalistes, à la presse ou à des étudiants, c'est très, très compliqué parce que c'est pas dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, non, c'est 1, 2, 3, 4, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est beaucoup plus compliqué que ça, naturellement, parce que ça se fait d'abord, c'est d'abord le 1, et puis ensuite une partie de ceci, et puis ensuite une extension, et puis ensuite ici, bah ici, ça paraît tout facile, mais en fait, il y a une rue qui passe ici, qui est la rue Saint-Germain-l'Auxerrois, qui n'est pas une petite rue dans Paris, qui est annexée par les époux Cognac-Jay. À un moment donné, la ville bloque, alors on met des millions de francs or sur la table, les choses s'arrangent, et c'est de cette manière que cette chose se fait. Alors, vous allez voir comment. Ça, c'est une image qui raconte ce succès des époux Cognac-Jay. Alors, on a parlé beaucoup de paternalisme à propos des époux Cognac-Jay. Je vous laisse faire vos propres, comment dirais-je, tirer vos propres conclusions de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait des aides à la personne, il y avait des kindergarten, il y avait des nurses, il y avait des séjours de vacances, il y avait pour les employés de la Samaritaine une énorme machine
qui faisait quand même tourner quelques 3000 employés sur le site. Alors, on parle des magasins parisiens, je n'ai pas le temps d'évoquer aussi tous les entrepôts, la question des entrepôts, les satellites de la Samaritaine dans Paris, des entrepôts absolument considérables, non seulement à Paris, mais également dans la région parisienne. Des choses qui ont fonctionné jusque très tard, puisqu'on peut le dire, la Samaritaine a été un développement absolument foudroyant jusque dans les années 30. La retombée des crises de 29 a fait que voilà, les grands projets se sont un peu arrêtés. La Samaritaine a tourné magnifiquement jusque dans les années 1970, et c'est la fermeture des halles de Baltard qui a signé un déclin dont la Samaritaine s'est jamais vraiment remis jusqu'à la fermeture, donc en 2005. Voilà. Alors, cette Samaritaine intègre des données qui, d'un point de vue architectural et urbain, sont vraiment très très passionnantes. Eh bien, c'est que c'est une des premières fois que dans Paris, on envisage que la chaussée, les trottoirs, eh bien, c'est une sorte de ligne de flottaison sous laquelle il va se passer beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, j'ai mis ici le dessin très très connu, bien sûr, de Léonard de Vinci, de la ville par niveau, hein, où ce génie de la Renaissance imaginait en effet des flux distincts en fonction de l'étagement. Eh bien, à la Samaritaine, en effet, entre ces quatre magasins était prévu tout un réseau souterrain. Les rues, en fait, ici, ces chaussées ne sont guère que des tabliers, n'est-ce pas, qui recouvrent double étage de circulation. Donc, fusion non seulement parcellaire, de parcelle à parcelle, je vous montrerai comment, mais également des îlots entre eux. Ça, c'est une donnée considérable. Si le projet de Sanaa concerne que ces deux îlots-là, en fait, il y avait bien le 1 et le 3, et ceci a déjà été divisé. Ça fait partie d'une première campagne de transformation qui fait que tout ce monde, si vous voulez, souterrain, lui, a bel et bien disparu. Et ceci, c'est une vue d'en haut. On est ici dans le magasin 2. On regarde la chaussée de la rue de la Monnaie et vous voyez en effet ce tablier se faire et on révèle ici tous les étages souterrains. Du reste, quand on passe en autobus, là, on se rend bien compte que ça tremble passablement. Et ici, cette vue aérienne vous fait voir les halles de Baltard, le pont Neuf et là, ici déjà, 1, 2, avec la façade de Sauvage, n'est-ce pas, sur la Seine. 3, qui est un magasin. Alors, la photo est donc très exactement datée, puisque ce magasin 3 a été fait exactement en l'espace de 9 mois en 1930. Une opération éclair, absolument incroyable. Et le magasin 4, ici, inachevé, et qui le demeurera inachevé. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Comment est-ce que, petit à petit, on colonise ces îlots, et par le truchement de quel artifice, ensuite, de quelle matière, de quel type de construction architecturalement. Voilà ce grand sotilo qui va devenir le magasin 2, avec ici ce pédoncule qui est ici, mais qui va progressivement devenir tout le magasin 2. Mais pour l'instant, c'est ceci dont il est question. Alors, on achète une parcelle, on casse tous les planchers. Les planchers traditionnels parisiens font environ 40 cm d'épaisseur, n'est-ce pas? Parce que vous avez solive, les aires de plâtre, et puis ensuite le carrelage, la tomette ou le parquet. Bon, ça fait à peu près. Et puis, c'est complètement, évidemment, aveugle, naturellement. Or, le principe, puisqu'on est dans un tissu très dense, où tout est sombre, que dans un grand magasin, il faut de la lumière. La lumière électrique à Giorno, c'est les années 30. Avant, elle existe, mais elle est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on compte beaucoup, beaucoup sur l'éclairage naturel. Donc, l'invention à la Samaritaine, c'est de constituer des planchers de verre. Planchers de métal et verre. Et planchers de métal et verre qui, en fait, se substituent donc à ces planchers de bois qui, naturellement, transmettent la lumière. Ensuite, les cours, les anciennes cours, eh bien, sont couvertes par des verrières. Et les façades seront des façades de pans de métal et de verre. Donc, vous voyez, c'est trois artifices par lesquels la lumière... Et donc, ce substitution... Alors, on commence par ici. Et ici, c'est le plan, vous la reconnaissez, c'est exactement le plan qui est conservé aux archives de Paris, ici. Et vous voyez les travures de métal. Vous voyez ici les cours, ce qu'on va appeler, dans le langage de grands magasins, les halls. Les halls de la parfumerie, de la maroquinerie, de la literie, de la ganterie, c'est toutes ces choses-là. Alors, on commence comme ça. Et... voici, et petit à petit, eh bien, on va conquérir d'autres parts, au fur et à mesure des possibilités, et faire régner ces planchers. Voilà comment ça se passe, il faut être résillonné, autrement les immeubles se cassent la figure, vous savez bien comment ça marche, et ainsi de suite. Et les voilà, ces planchers de verre, alors pris en photographie, tard, dans les années 2009-2010, vous voyez, ils sont sales, ils ont été ici
On est mais à plusieurs étages déjà sous les verrières, et vous voyez donc l'aspect que ça peut avoir. Évidemment, le plancher de la Samaritaine, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous voyez ici comment, dans la cour d'un vieil immeuble, du reste un immeuble d'une certaine qualité, comme vous le voyez, eh bien, voilà comment les planchers sont remplacés. Vous voyez passer ces IPN, vous voyez, c'est ce que Franz Jourdain appelle ces planchers à trois systèmes. Vous avez les poutres, et puis vous avez les solives, et puis encore de l'autre côté, en travers, des lambourdes qui portent finalement le verre. Et c'est ainsi, alors à Saint-Gobain, on est allé chercher aux archives de Saint-Gobain, il semble que les archives de Saint-Gobain, on peut difficilement comprendre ce qui s'est passé. Comment Saint-Gobain, leurs archives sont à Blois, n'est pas conservé davantage de traces d'un marché qui concernait des centaines de milliers de mètres carrés de verre. C'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Il faudra insister. Voilà à quoi ressemblaient ces chantiers en œuvre. Voilà ces photos, quand on a découvert ça dans les archives de la Samaritaine, au service travaux ou aux archives de la direction. Vous voyez comment arrivent en effet ces planchers préfabriqués par très grande portion. Et voilà le verre qui arrive, voilà comment on distribue. Il y a quelque chose d'absolument fascinant, si vous voulez, qui est certainement une des très 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 grandes valeurs patrimoniales de la Samaritaine. Imaginez cette cathédrale de verre, tous ces étagements de verre, de fond en comble, et y compris dans les sous-sols, de sorte que la lumière arrive jusque deuxième, troisième sous-sol, plancher de verre. Dès qu'on avait un bout de plancher à faire, nécessité de trouver des mètres carrés oblige, on a entrepris de boucher les anciens halls pour gagner des mètres carrés. Alors c'était évidemment, et on a commandé à Saint-Gobain, on le sait, et les livraisons étaient encore effectuées dans les années 1980. Preuve de la validité de ce type de plancher. Ce ne sont pas des inventeurs, les Cognac G, ni Franz Jourdain non plus. C'était déjà utilisé ailleurs, mais pas du tout de cette manière, inconditionnelle à tous les étages d'un édifice. Voyez un petit peu ce genre. Voilà, on est dans le magasin 3. Bon, je triche un petit peu, mais c'est pour bien vous montrer l'aspect, si vous voulez, de cette construction. Imaginez que vous êtes ici en lieu et place d'immeubles qui, certains, 17, 18e, pour beaucoup haussmanniens, que ces édifices. Alors voilà comment ça se fait, petit à petit. Il y a des points durs. Ici, un particulier qui ne veut pas vendre son immeuble à cour carrée. Ici, c'est plus compliqué. Ici, c'est une école construite sous le Second Empire, d'une manière assez luxueuse, du reste. Là, c'est un point dur. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ils en sont convaincus, ils rachètent et commencent à construire. Ici, vous voyez, c'est le remplacement. Parce que la première opération, c'est de casser les planchers, de couvrir les cours pour avoir des surfaces de vente. Les gens commencent déjà à acheter là-dedans. On vend à tous les étages. Et pendant ce temps, on refait la façade. Au fond, c'est le processus inverse du façadisme, puisque c'est la façade, finalement, n'est-ce pas, qui émane de la construction de métal et de verre, et non l'inverse. Il y a eu parfois des cas inverses. Et petit à petit, on y croit. Alors, voici les références, bien sûr, puisqu'on peut difficilement imaginer la construction de la Samaritaine sans évoquer les américanités. C'était le titre du reste d'une des communications et des chapitres du bouquin par Claude Massu, qui est très spécialiste de cette architecture de ces années-là, et puis surtout des États-Unis. Et en effet, on voit une sorte de convergence, ce regard porté ici sur le Carson Spiri Scott, le Carson Spiri CPS, abrévié, qui est à Chicago, et qui montre en effet cette mise en œuvre ici, totalement métallique, même si à Chicago, on met davantage d'opacité, c'est vrai. Mais vous voyez aussi se mettre en place la Chicago Window, la fameuse Chicago Window, avec les tripartites. Vous avez une grande partie centrale qui est dormante, en vert, et puis ensuite deux ouvrants sur les côtés, ce qui permet évidemment de nettoyer les carreaux, ce qui peut être assez utile. Et vous voyez l'application évidemment qui en est faite. D'abord dans une version très Art Nouveau. Ici, c'est les façades de Franz Jourdain, voyez-vous, avec en effet la Chicago Window. Mais voyez-vous ce décor, c'est extrêmement... Bon, il y a là quelque chose, du point de vue de la serrurerie, c'est absolument extraordinaire. Ça n'a pas survécu aux purges des années 30 où l'Art Nouveau à Paris, vous le savez, est jusque fort tard, puisqu'on a continué allègrement à détruire les entrées, par exemple, des métros de Guimard, que la plupart de celles qu'on voit, ce sont des répliques, des pastiches. Eh bien, cet Art Nouveau, on ne sait pourquoi, à Paris, détesté à un point qui a fait qu'on a tous ces ornements ont été irrémédiablement arrachés. Et ici, la façade, la quatrième façade de Franz Jourdain, plus celle qu'on voyait de la rue de Rivoli, moins décorée, certainement plus dogmatique, et qui, elle, est restée dans son état à peu près original. Alors, la
chose se fait petit à petit. Vous voyez comment on commence certain qu'on va y arriver. C'est-à-dire que c'est qui est extraordinaire, parce que la suite de l'histoire, vous en doutez, c'est qu'on va y arriver. On va faire tout le magasin. Eh bien, on a fait par partie, des bouts de façade par ici, des bouts de façade par là. Et à la fin, ce qui est extraordinaire, parce que naturellement, les relevés photogrammétriques ont montré que les différences de niveau pour des bâtiments, des grands morceaux de bâtiments qui ont été entamés aux quatre coins de la parcelle, eh bien, vous avez des différentiels de quelques centimètres à peine. Hein, c'est tout à fait prodigieux. Et donc, voici se mettre en place les rotondes. Ici, ces rotondes qui sont tout à fait indispensables, parce que pendant fort longtemps, en fait, cette Samaritaine, ce magasin 2, et c'est une question d'apparence architecturale et urbaine, un peu comme une cathédrale qui est faite pour être vue, vous voyez, Chartres au-dessus des blés, et puis Chartres de près, les portails. Eh bien, en fait, c'est un petit peu cette même chose, c'est qu'il s'agissait d'avoir des émergences, comme ces poivrières tout à fait extraordinaires, de sorte que cette Samaritaine, qui était au fond engoncée dans son tissu, puisse se voir de loin. Voilà. C'est des vues de la Samaritaine en chantier. Voilà encore d'autres vues qui montrent que cette fois, on a réussi à... l'école, on a réussi à convaincre la ville qu'on pouvait détruire l'école parce que les Cognac G ont proposé de la reconstruire, de faire une extension de l'autre côté de la rue, et de cette manière. Et vous voyez que, à l'inverse de cette première portion qui est ici, qu'on appelle du reste Jourdain Plateau, parce qu'ici, en effet, vous avez les premiers effets de plateau de plein pied qui sont ici, vous voyez que le parcellaire est encore inscrit dans le magasin. Les cours, la géométrie, tout cela, en fait, les divisions sont restées. Tandis qu'ici, on est dans une seconde phase, et là, on décide qu'on y croit, on y va, on efface tout, on ne se souvient de rien, et donc se mettent en place les deux grands halls de la Samaritaine, parfumerie et maroquinerie, qui se mettent ici, voyez-vous, avec une géométrie tout à fait... Voilà, on y est presque arrivé. Voilà les poivrières qui se mettent en place, l'une d'abord et puis la seconde. Voici ici ce bâtiment absolument fracassant dont on n'a plus aucune idée, puisqu'en somme, cette portion-là, on peut le dire déjà, disparaîtra au profit de l'extension, la conquête d'une façade sur le fleuve avec Henri Sauvage, et donc le gros bâtiment, et qui va donc présider à l'éradication de ces, de cette architecture qui était très très contestée par les Parisiens. Voilà la grande verrière de la Samaritaine se mettre en place. Celle-ci a subsisté jusqu'à nos jours. Voilà le type d'espace, genre un peu cathédrale, auquel ça donne lieu, n'est-ce pas, qui existe toujours de nos jours et qui fait l'objet d'une restauration extrêmement minutieuse. Il s'agissait en somme, on ne peut pas tout dire, mais dans ces grands magasins, en fait, c'était entrée libre. Ça veut dire que tout le monde pouvait entrer, alors que dans un magasin, on entrait pour acheter. Non, à la Samaritaine, on pouvait venir se promener. Il y avait des animations, il y avait des spectacles. Et donc, vous voyez qu'ici, tout le public est rassemblé. En somme, c'est donné pour... Parce que Samaritaine, c'était un grand magasin, mais, avec des produits ordinaires. C'était pour tout le monde. C'était le magasin du plus grand nombre. C'était pas du tout un magasin de luxe. Et donc, ça permettait, en somme... Eh bien, tout un chacun de venir parader absolument comme à l'Opéra de Paris. Il y a bien une mise en scène, si vous voulez, là-dedans, hein, quelque chose d'assez grandiloquent qui est destiné en même temps, évidemment, à faire vendre. Alors voilà, ces clichés extrêmement précieux, parce qu'aussi très très rares, de la Samaritaine un peu polychrome. Ce sont des plaques photographiques format A5 qui, naturellement, ont tourné au bistre. Il faut imaginer une Samaritaine beaucoup plus colorée, mais vous voyez que non seulement c'est du métal, du verre et beaucoup de décors naturellement, et de l'or naturellement aussi, mais beaucoup de textiles, n'est-ce pas? Vous voyez ici, elle est harnachée d'éléments, du textile pour que filtrer la lumière bien sûr, mais également en altitude ici, car vous imaginez bien la grande verrière, il s'agissait de pouvoir la protéger des rayons du soleil. Donc, il s'agissait de la protéger de toutes sortes de choses. La grande verrière était chauffante, puisqu'il y avait de fortes précipitations de neige à Paris dans ces années-là. Et donc, il fallait pouvoir faire fondre la neige afin que la lumière entre dans le magasin. Vous voyez, toutes les précautions qui ont été faites, c'est une... Du reste, mon associé Hubert Lempereur avait pensé, plutôt que autre titre, parler de la machine à vendre, n'est-ce pas? Machine à habiter, machine à tout ce que vous voulez. Machine à vendre, en effet, ce côté tapageur, tape à l'œil, hein, fait exprès, n'est-ce pas, pour faire venir le chaland. Franz Jourdain était tout à fait d'accord avec Ernest Cognac et Louise Jay, ce côté un peu prostitué, n'est-ce pas, du grand magasin qui doit faire qu'on passe par là, on a absolument envie d'entrer. Ceci, plus intéressant, parce que plus fidèle certainement dans les couleurs, c'est un autochrome de Léon Gimpel, G-I-M-P-E-L. Cette collection de Gimpel, des photos du début du siècle, qui a été découverte il n'y a pas très 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 longtemps. Et
au hasard des planches, eh bien, il y a cette image de la Samaritaine qui fait voir, en effet, ce magasin d'assez près. On n'a pas le recul. Il n'y avait pas de recul, c'était pas possible. Il n'y avait pas de façade et qui pouvait voir cette polychromie qu'il est question de remettre à l'œuvre. Alors, ici, voilà ce magasin de achevé et voilà l'aspect. Alors, on est en 1910, bien sûr. Il y a une crue, c'est la fameuse crue centenale, et qui fait voir, ensemble, ces émergences, les dômes, les coupoles de la Samaritaine, une espèce de bulbe tout à fait curieux, vitré, et qui la nuit naturellement s'illuminait avec côté un peu gyrophare vraiment extrêmement visible de ce magasin. Cette façade que vous voyez ici, donc en plan, c'est ici, elle va tout à coup apparaître au public parisien très étonné, parce que les cognacs parviennent à racheter tout l'îlot qui est ici devant, le détruire, c'est, l'opération est en train de se faire, pour ensuite construire devant, eh bien, l'extension sauvage. Alors, le conflit avec la ville est assez simple à décrire. Un grand coup à grand trait, c'est que la ville était lassée de ce magasin trop polychrome, trop doré, trop visible. Il était question d'une extension et la négociation a été très rude. C'est que la ville acceptait l'extension si on faisait disparaître les coupoles, si on faisait disparaître la dorure et si l'extension était revêtue de pierres de taille. En somme, si on calmait le jeu, peu de dorure, très peu de dorure, surtout de la pierre de taille et surtout pas de métal en façade. Alors, ce qui fait qu'on a tout camouflé. L'extension sauvage est absolument dans la même ligne que ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire ce sont des planchers métalliques, toute la structure est métallique, mais on a couvert l'édifice de pierre de taille. Et comme Franz Jourdain était un personnage absolument intraitable, irascible et qui n'était pas capable de composer avec ses commanditaires, avec la ville surtout, alors il a commis Henri Sauvage, son disciple Henri Sauvage, à cette action, ce qui fait que d'un point de vue historiographique, c'est très 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 compliqué de comprendre ce qu'a fait Jourdain, ce qu'a fait Sauvage, qui tenait le crayon et qui est l'auteur finalement de cette extension dont il va être question maintenant. Si ce n'est en tout cas une chose est certaine, c'est que cette construction est certainement en effet un compromis, comme on dit, le résultat d'un travail de commission, architecture de commission avec tous les élèves que ça comporte. C'est peut-être pas en effet la meilleure partie de la Samaritaine. Vous voyez ici cette extension vue de côté. Voilà les bulbes, les poivrières de Jourdain condamnées. Voilà la coupe. Et donc vous voyez qu'ici, on voit ici quelque chose qui se termine en pyramide, quelque chose extrêmement visible. La ville râle, se dit c'est pas possible, ça monte trop haut, ce caractère pyramide-là, nous n'en voulons pas. Il est vrai qu'Henri Sauvage, les immeubles à gradins, bon, c'est son affaire. Comment faire coïncider un immeuble à gradins avec un édifice qui a un hall central? C'est très très compliqué, bien sûr, parce que la pyramide, a priori, est-ce que cette verrière donne du jour à ce hall central? Mais comme on ne peut pas faire la pyramide, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose d'encore mieux qu'on voyait ici sur ce petit trait au crayon. Avec, on a un petit peu ombré ici, foncé, pour faire mieux voir ce qui est marqué là, c'est qu'en fait, avec la ville, finalement, cette conciliation impossible, eh bien, ça se termine avec l'idée que, alors, un gain, finalement, gigantesque pour le grand magasin. Pas de pyramide. Alors, Ernest Cognac propose, et si on faisait une terrasse? Ah. Et la ville accepte. Et donc, ils ont la plus belle terrasse de tout Paris, la terrasse de la Samaritaine, que tout le monde leur a envie, y compris les galeries Lafayette, naturellement pas très très loin. Les galeries Lafayette suivent tout ce qui se passe, c'est la lutte sans merci entre les grands magasins. Les galeries Lafayette, à Paris, elles ne sont pas si bien situées, ce sont les grands boulevards, c'est loin, c'est pas si bien. Bon, c'est peut-être un peu plus luxueux. Et donc, on fait un grand hall à la Samaritaine, alors on fait encore un hall plus spectaculaire aux galeries Lafayette. Et la terrasse, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la galerie Lafayette, le tout pour le tout. C'est parce qu'ils ont fait une terrasse. Alors évidemment, elle n'est pas si belle parce qu'elle est loin. On ne voit pas des choses aussi intéressantes. On ne voit pas la Seine. Mais ils en font une piste où un biplan a fini par atterrir. Une stèle relate l'événement. Bon, ils n'ont jamais recommencé. Ils sont arrivés à faire ce prodige. C'est vous dire un peu ce climat. Hein. Voilà cette vue très connue parce que vous l'avez peut-être vu si vous avez vu l'exposition Art déco à Paris qui vous montre en effet cette architecture, alors tout à fait Art déco, voilà, que vous voyez, qui est l'image certainement de la Samaritaine dans l'imaginaire. Mais cette chose s'est faite tout à fait petit à petit. Ah oui, c'est passé très vite, c'est pas très grave. Hop,
Voilà. Et donc, voici comment ça se passe. On construit, vous voyez, toute la structure métallique devant les poivrières, c'est ceci. Et petit à petit, eh bien voilà, cette structure métallique va disparaître derrière la pierre qui monte. Et puis, les poivrières sont condamnées, ça va disparaître. Et à l'intérieur, en revanche, vous aurez ce grand hall absolument magnifique, l'architecture de Sauvage, donc des années... on est exactement à la fin des années 20, 1928, avec des ascenseurs, naturellement. Une architecture qui... qu'on a souvent qualifié de rationaliste chez Sauvage, et cependant où le capotage, la peinture et quelques, sont des aspects extrêmement importants de la mise en œuvre. Car, songez-y, on a parlé de planchers de verre. On veut maintenir la transparence des planchers de verre sur tous les plains-pieds de la Samaritaine, hein, depuis la rue de Rivoli jusqu'à la Seine. Bon. Pour que ce soit efficace, vous ne voulez avoir aucun réseau à l'horizontale, naturellement. Donc, il faut verticaliser tous les réseaux. Naturellement. Ça, c'est une donnée essentielle. Parce qu'en fait, les étagements à la Samaritaine, ils procèdent, puisqu'on a remplacé des planchers de bois par des planchers de verre, c'est les hauteurs sous plafond du tissu parisien ordinaire. Donc, c'est pas énorme. C'est un peu plus que 2,50 m, mais c'est pas tellement plus. Naturellement, c'est 3,10, 2,90, 2,70, 2,50, les quatre étages carrés parisiens traditionnels, si vous voulez. Donc, ça donne pas beaucoup de marge. Remplacé par du verre, c'est très bien, parce qu'à la fin, vous avez le verre, la dalle de verre, elle fait 3,5 cm d'épaisseur. C'est tout. Vous vous rendez compte, le gain en volume, c'est prodigieux. Bon, ça, c'est très, très important. Mais pour que ça fonctionne, évidemment, il faut tout verticaliser. Et ceci, vous avez sous les yeux, en très gros, ça vient d'Agence Sauvage, un très, très beau document, bien sûr, à très grosse échelle, et bien vous montre en effet les poteaux, c'est la façade de ce côté-ci, c'est la façade. Ici, on est à l'intérieur. Il y a les eaux pluviales, il y a les adductions d'eau, il y a tout ce qu'il faut pour que l'électricité, naturellement, pour que le magasin existe, n'est-ce pas? Et ça, c'est une donnée essentielle qui est aussi une valeur patrimoniale. On l'a représenté à la maîtrise d'ouvrage qui était un petit peu étonnée et aux architectes, je pense notamment à celui qui s'occupe de l'hôtel de luxe sur le devant, dont on parlera tout à l'heure. Parce que, vous comprenez bien, il s'agit de maintenir ce caractère, parce que si vous ne le faites pas, si vous commencez à mettre la clim sous les faux plafonds, machin, mais vous vous trouvez complètement écrasé à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose de très important et qui, évidemment, a été appliqué d'une manière inconditionnelle dans la Samar. Et vous voyez ici, on est dans la partie jardin, vous voyez tous ces décors, vous voyez ces boulons, toute cette architecture métallique très visible. Mais en fait, ceci... dans toute cette mode des natures, il y a beaucoup de faux, en fait. Il y a beaucoup de décors. Et vous verrez tout à l'heure, ceci, si on peut casser ces ornements de plâtre, il y a ceux, les vrais boulons et les faux boulons. En fait, toute cette architecture, ça vient de la Chalence Sauvage, a été faite parce que, naturellement, un grand magasin, c'est un bûcher préparé. Il s'agit de prévenir contre l'incendie. Donc, il fallait tout capoter, en fait. Et si certains fers étaient apparents, ils étaient revêtus de peintures intumescentes, naturellement, pour être stables à l'incendie. Voilà, on s'est amusé. Alors, ici, quand on a montré ces photos à la maîtrise d'ouvrage, il dit comment, c'est comme ça que vous faites vos relevés, vous aviez ça, vous avez commencé à la machette à tout casser, vous êtes... Non, on a photographié trois états de trois consoles réparties dans le magasin où on a eu, pour bien montrer en effet ce cas de complètement illusoire, de fantastique, n'est-ce pas, d'exagérer cette notion de rationalité constructive, n'est-ce pas, tant chez Jourdain que chez Sauvage. Ils n'ont pas ces critères dans la tête. Il ne faut pas appliquer à l'architecture de ces personnes les critères qui sont ceux de notre époque. Et voilà, cette Samaritaine qui se termine, comme ceci, vous voyez, les fronts bâtis de pierre, alors que pendant longtemps, si vous voulez, on commençait déjà à vendre là-dedans, voilà la structure. Quand j'ai découvert cette photo dans le fond d'archives de la direction de la Samaritaine, j'ai pas compris ce que je voyais. J'ai eu du mal à comprendre que c'était bien, en effet, l'extension Sauvage, simplement, elle n'était pas encore revêtue de la pierre de taille que vous voyez ici et qui font que la ville de Paris était contente. Car il s'agissait quand même de quelque chose de tout à fait phénoménal, songez-y. La Seine, a priori, c'est pour la Galerie du Bordelot, c'est pour le Palais des Quatre Nations, l'Institut de France, c'est pour l'Hôtel de la Monnaie, c'est pour les grands édifices, les grandes institutions de l'État ou de la royauté, de l'Ancien Régime, tout ce que vous voulez. Mettre une grande façade commerciale sur la Seine, en face de l'île, n'est-ce pas, devant le Pont Neuf, c'était quelque chose d'une hardiesse extraordinaire. C'est fabuleux que les époux Cognacq-Jay y soient parvenus. Ensuite, alors, ils ont abusé de ces choses lors de l'inauguration en 1928. Voilà, on ne reconnaît même plus la façade. Et puis, ça devient une sorte de manie de mettre en valeur tout ceci.
N'est-ce pas? Voilà, donc ce magasin 2 achevé ici, le magasin 1. Ah, mais ici, déjà, sur cette photo qui est un peu du projet, vous voyez, là, c'est dessiné, c'est le magasin 3 qui se met en place. Et voilà le type d'illumination, voilà à quoi ressemblaient les magasins de la Samaritaine au début des années 30, n'est-ce pas, avec la fée électricité qui règne sans partage. Alors ça, c'était une donnée. Ça, c'était pour ce qui regardait la Seine. Et le côté Seine, évidemment, a été exploité énormément. Et puis, on a fini par se rendre compte, les époux cognac que j'ai, naturellement, très industrieux, très acharnés à vendre davantage. On sait que Monsieur Cognac n'a jamais pu déjeuner avec Madame Jay de leur vie parce que l'un surveillait le magasin pendant que l'autre déjeunait. Donc, ils ont pris le dimanche, le jour de congé obligatoire, comme une avanie, quelque chose de vraiment affreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens qui ne veulent pas travailler. Bon. Alors, ils ont imaginé, et ça c'est très intéressant du point de vue de l'imaginaire du magasin, il y avait donc cette façade sur la Seine. Ils se sont dit, mais il faudrait développer la façade sur la rue de Rivoli. Et pourquoi c'est tellement important de s'intéresser à cette question? Puisque vous le savez, la façade qui fâche, elle se développe rue de Rivoli. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était un projet que les Cognac G avaient en tête depuis fort longtemps, de faire en sorte que le magasin s'aperçoive. Et donc, ils avaient travaillé sur ce petit bout, ici, avec cette magnifique façade Art Nouveau donc de Franz Jourdain, qui existe encore. Elle a été déplumée, elle a été désossée, notamment dans les années 30, toujours par ce motif que l'architecture Art Nouveau, c'est pas possible à Paris, on veut pas garder ce genre de choses. Et donc, ceci. Et puis, de proche en proche, voilà, on a décidé d'augmenter ici le magasin 3, cette fabuleuse bâtiment, donc cette fois entièrement de la main de Sauvage, avec cette écriture, cette espèce d'immense baie colossale, telle qu'il n'y avait absolument pas dans Paris, avec cette rose octogonale de ferronnerie, n'est-ce pas, complètement art déco. On a du mal à, comment dirais-je, quand on voit ces images, la réalité même, le magasin est absolument somptueux, et puis également la course à la rapidité. Voilà, on a eu beaucoup de mal à convaincre l'éditeur qu'il fallait le publier à grande échelle, ce document qui est absolument passionnant. Ben, comme vous le voyez, c'est le phasage des travaux pour le magasin 3. Il était prévu que ça se fasse en l'espace de 5 mois. Malheureusement, ils ont enduré une grève, et donc il y a une grève de 2 mois qui a un peu... Bon, alors, il a fallu... Voilà. Mais c'est parti en février, et quand même, on a commencé à vendre, et d'une manière absolument invraisemblable, c'est-à-dire qu'on a commencé... On vendait en bas, et pour ne perdre absolument aucune surface de mètre carré pendant qu'on vendait en bas, alors on reconstruisait le haut. Imaginez que les conditions d'accès de cette clientèle qui est là pendant qu'on refait tout le haut. Et ensuite, pendant qu'on refaisait le bas, alors on accueillait les gens en haut grâce à des monte-charges. Il n'y a pas eu un seul mort, c'est extraordinaire. C'est des chantiers qui se déroulaient d'une manière absolument... Bon, peut-être pas de nuit comme en Chine, mais enfin, vraiment un régime absolument incroyable. Voilà ce très beau cliché de ce magasin 3. Et donc, vous voyez se mettre en scène cette scénographie, le magasin 2, le magasin, pardon, le 1, le 3. Et puis, évidemment, de l'autre côté, c'était très tentant d'étendre quelque chose au magasin 4. Et donc, et c'est là qu'à un moment donné, on se rend bien compte que pour les époux Cognac G, le plan a basculé. Et là, je vous montre exprès ce plan avec le sud en haut de la page, parce que, en fait, vous voyez qu'ici, ils ont bien compris qu'il y a un linéaire de façade absolument formidable, et que pour les gens qui viennent des Halles et qui vont se diriger vers la rive gauche par le pont Neuf, effectivement, c'est une séquence d'accès tout à fait importante. Donc, ceci existe, ceci vient d'être fait, et si on faisait ça maintenant? Et donc, ça donne lieu à ces dessins, n'est-ce pas? C'est très intéressant, ces dessins-là. Vous voyez ici la vieille façade de Jourdain, la façade de Sauvage, et l'idée de symétriser avec une façade semblable. Ou peut-être, autre option, on dégomme tout, on reconstruit. Allez, on y va. Grande cité commerciale, n'est-ce pas? Et on refait tout, avec ces images absolument incroyables, des années 1932, hein, qui est une sorte de l'agence Sauvage, et qui vous montre donc, en effet, le magasin 1, alors reconstruit, le magasin 3, le magasin 4, et puis même, au fond, on peut même reconstruire le magasin 2 pendant qu'on y est, enfin, quelque chose d'absolument grandiose, et qui a été donc interrompu par la crise de
les retombées de la crise de 29. Donc jusqu'en ça a battu. Et puis il y a aussi tout le monde est mort. C'est un peu comme chez Shakespeare. C'est que Louise G. s'est en 25, et puis en 32 c'est le tour de Sauvage, et puis Jourdain en 35, et puis Ernest. Oh, je sais plus très bien. Enfin au même moment. Bon, il y a un successeur, le fils adoptif Gabriel Cognac. Mais enfin il y a quand même, et puis surtout les retombées de la crise. Qu'est-ce qui se passe après ça? Eh bien, en somme, c'est le début de, comment dirais-je, d'une congestion progressive. Parce que tous les artifices qu'on a mis en œuvre, c'est-à-dire pour la lumière, bah, à une époque où on peut éclairer à Giorno grâce au courant électrique, alors on oublie les façades de pan de fer et verre, on oublie un petit peu la logique. Vous voyez, les cours se bouchent progressivement jusqu'à faire une masse compacte ici, n'est-ce pas? Les planchers de verre, alors on déroule du lino dessus, on fait des choses comme ça. Donc ça marche plus du tout comme avant. Et c'est donc, d'un point de vue architectural, évidemment, elle perd vraiment de son panache, cette Samaritaine, n'est-ce pas? Alors, voici des images. Ici, toute cette esthétique Art Nouveau, bah, elle est détestée. Songez aux années 1950, 1960, évidemment, c'est d'autres époques. Et donc, on essaye de tout cacher. Et vous voyez ici, vous avez des faux plafonds. Les garde-corps magnifiques de Jourdain sont remplacés. Tout est caché, on ne voit plus rien du tout. C'est vraiment une sorte de décadence de ce magasin. Les grands halls de la maroquinerie essaient remplis par des escalators. Il s'agit de faire monter le public dans les étages. Voilà à quoi on était arrivé. 2011-2014, vous reconnaissez les acteurs, les phénomènes. Ici, voici donc cet état de congestion de cet édifice, comme ceci, qu'il s'agit de reconvertir. Il s'agit de 80 000 mètres carrés de plancher. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Alors, c'est un programme qui maintenant est devenu tarte à la crème dans les grandes villes. C'est-à-dire, naturellement, on va faire du commerce en bas, on va faire du bureau dans les étages, parce qu'on a du mal à faire monter des clients dans les étages, dit-on. Ce qui n'est pas toujours vrai, puisque il y a des grands magasins où on fait monter le public jusqu'au 5e, 6e. Et puis, naturellement, on est à Paris. Alors, vous connaissez la municipalité. Et donc, à l'heure actuelle, il faut du logement social. Et donc, ce n'est pas une mince affaire. Il y a quand même 10% de logement social, soit 7000 mètres carrés, puisque... Alors, on part de 80 000 mètres carrés, et il va s'agir d'en réhabiliter 70 000. Il y a 10 000 mètres carrés qui passent à la trappe. 10 000 mètres carrés, ben, c'est-à-dire qu'il y a 1 000 mètres carrés qui passent à la trappe parce qu'il s'agit de curter un petit peu ces îlots massifs et faire entrer un peu de lumière. Vous verrez dans le projet en quoi ça consiste. Hein. Voilà. Et donc, ainsi, parce qu'il faut partir quand même un peu du programme. Et voilà ce qui va se passer. Vous allez comprendre, grâce à cette confrontation, l'état dans lequel l'édifice se trouvait, encore jusque tout récemment, et puis l'état dans lequel on veut le mettre. Et on voit bien que cette partie-là, ici, reste à peu près intacte. Mais ici, tout ce conglomérat incroyable, eh bien, fait place à un édifice à cour, n'est-ce pas? À hall, si on veut. Et ici, même chose, de nouveau une cour. Alors, vous voyez bien que pour faire ces cours, évidemment, on perd un nombre de carrés absolument considérable. Et pour essayer de rééquilibrer la perte des mètres carrés, vous imaginez le prix du mètre carré à Paris, dans ce coin-là, et donc la perte de 10 000 mètres carrés, comment faire? Il faut encaisser, il faut... Bon, et donc, la maîtrise d'ouvrage a obtenu une modification du PLU qui a évidemment fait énormément, comment dire, qui a été très très contesté, PLU pour gagner quand même un étage attique, compenser un peu la perte évidemment énorme de tout ceci, mais nécessitée par le fait de viabiliser. Vous connaissez un petit peu, peut-être pas encore tout à fait dans une école d'architecture où on n'est pas encore tout à fait sensible aux normes naturellement, mais vous les connaîtrez bien assez tôt quand vous ferez du logement, quand vous ferez des bureaux, que voilà, la quantité de lumière, la quantité d'accessibilité, toutes ces choses naturellement qui font que ceci, à un moment donné, songez-y aussi, si la Samaritaine est restée au point mort depuis 2005, c'est qu'il était extrêmement difficile de trouver le projet qui permettrait de la sortir de l'ornière dans laquelle elle se trouvait. Alors, je vais passer assez vite sur ces documents qui ne sont pas très faciles à lire, je dois le reconnaître. J'en ai un plus facile ici, on voit les étagements, les bureaux ici, pardon, les surfaces commerciales en bas, mall commercial à l'américaine avec des marques naturellement, vous voyez, les bureaux au-dessus, et j'ai oublié naturellement sur le devant ce qui a été décidé de mettre un hôtel de luxe sur la façade côté Seine avec une démultiplication, on peut le signaler aussi, de la maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, c'est incroyable parce que l'agence Sana s'occupe de la gouvernance de la totalité de cette fameux îlot et de cette façade sans doute. Mais vous avez un architecte des monuments historiques qui s'occupe des parties inscrites ou classées. Vous avez... Et puis, Bernard Arnault a confié
ici là, le soin de refaire l'hôtel à son ami l'architecte. Je peux avoir un blanc pareil. Ah bah écoutez, j'ai un blanc. Pour le nom de l'architecte de l'hôtel, j'ai un blanc, c'est incroyable. Bon, je vous retrouverai ça, voilà. Et qui n'est pas Sanaa. Quelqu'un sait, mais oui. Non, vous ne savez pas, c'est pas grave. Bon, voilà. En tout cas, il y a l'hôtel de luxe sur le devant. Alors, l'agence Sanaa a donné des dessins comme ceci. On voit ces images qui sont toujours assez extatiques, avec ces transparences, bien sûr. Cette maquette qui fait voir, vous ne faites pas grand-chose, passons sur la maquette. Et donc, on peut s'interroger évidemment sur qu'est-ce qu'on a gardé finalement de la Samaritaine dans ce projet-là. Quelles sont les pertes, sans doute? Quels sont les gains? Bah, la ville par niveau, elle est perdue, mais ça, dès l'origine, ça n'a nié pour rien. On a décidé de couper l'ensemble de ces quatre magasins. Ensuite, il y avait ce programme qui était unitaire, c'est-à-dire un grand magasin. Au fond, les couples Ernest et Cognac, c'est des points de débat pour la suite que je lance. C'est-à-dire que ces quatre îlots, finalement, avaient été rassemblés, Dieu sait avec quels moyens et quelles peines, par les époux Ernest, Cognac G. Et donc, en somme, on disloque, on fait une mosaïque de ce qui avait été rassemblé, puisque vous avez bien compris, ici le grand hôtel, ici des bureaux, ici c'est le logement social. On émiette finalement quelque chose qui... Est-ce qu'il n'y a pas dans Paris besoin, peut-être, de grandes surfaces de plein pied d'un seul tenant? Est-ce qu'il n'y avait pas un programme qui permettait peut-être de conserver ce qu'on avait eu tant de peine à mettre en œuvre? Ici, la question des halls, puisque les halls, finalement, le hall ici dans la partie... de l'hôtellerie, en fait, va disparaître corps et biens pour être planchéié, batterie d'ascenseur là-dedans. En fait, ces grands halls ne survivront pas à cette affaire. La terrasse, cette fameuse terrasse, elle a failli disparaître. Un beau jour, je suis arrivé, il y avait une grande réunion à Saint-Marc, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, et puis on avait fait venir l'historien, la roue de secours. Alors, l'historien, qu'est-ce que l'historien a à nous dire d'intéressant? Ça, c'était le langage du maître d'œuvre. Autant que je ne dise pas son nom, après tout, parce que ce n'était pas tellement sympathique. Alors, ce qui fait que je lui dis, écoutez, si c'est sur ce ton, je crois que, je n'ai pas tellement envie de rester là. On déploie les plans. La maîtrise d'ouvrage, si, monsieur Cabestan, restez là, mais bon, on débrouille les plans. Et puis ensuite, elle me demande, mais alors vous avez quoi à dire? J'ai dit, écoutez, ce que j'ai à dire, je vois quand même marqué sur les plans la terrasse samaritaine, qu'elle devient inaccessible, et que c'est là qu'arrivent les évacuations des ventiles. C'est pas possible. Vous comprenez bien que c'est pas possible. La valeur patrimoniale de la Samar, mais les Parisiens, tout le monde a gueulé. Vous comprenez bien, il faut faire quelque chose. Ah bon, alors, ça s'est passé très, 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 très mal. Ensuite, dans l'hôtel, il pétait toute la structure métallique. Il cassait les escaliers art déco. Ça s'est passé très mal. Alors, quel est votre avis? Vous en faites de la bouillie de ce bâtiment. Voilà mon avis, si vous voulez, mon avis d'historien. Bon, on a tant pété, tant et si bien. Après, ça a quand même remué, parce que à la fin, ils sont allés, c'est la maîtrise d'ouvrage qui est allée voir le préfet de Paris, la région Île-de-France, pour obtenir que la terrasse reste accessible, mais à quel prix? Vous allez voir, c'est un IGH et un ERP. Et c'est l'imam grand auteur, et puis ils utilisent recevant du public. Bon, alors, pour rendre la terrasse accessible, elle le sera, mais grâce à un ascenseur qui montera au 5e, là, il y aura un relais, une sortie à l'extérieur, et par un autre système d'accessibilité, donc il y a un relais, on monte jusqu'à la terrasse supérieure. Ce sont des groupes de 12 personnes avec deux pompiers. Mais elle reste accessible. Or, la France est un pays des privilèges, et donc peut-être que... Voilà. Mais elle n'est pas associée à l'hôtel. Non, le public aura... En somme, c'est le genre de visite que j'ai fait avec mes étudiants pendant 2-3 années, que cette étude et que ma mission de consultation a duré. J'ai emmené les étudiants par petits groupes de 12. En effet, il y a eu deux pompiers. Donc voilà, c'est comme ça qu'on montait, voilà, la terrasse. Et cette fameuse... voilà, ici, ce cockpit, n'est-ce pas, que vous avez vu peut-être, si vous avez regardé sur le dessin au crayon, là, de l'agence sauvage. Voilà comment ça se termine, avec cette vue absolument incroyable. Vous comprenez bien que ceci, par sa plus belle terrasse de Paris, c'est indiscutablement. Et donc, un argument qui a fait mouche, c'est que j'ai dit que ceci, vous voyez, cette table d'orientation qui est ici, si, enfin, vous voulez que la table d'orientation de la Samaritaine termine sur eBay avec vos systèmes?
Et donc, embarrassé. Non, l'historien a servi. Et vous voyez ici les façades, naturellement, les magnifiques façades, pans de fer et de verre, voilà, elles sont restaurées. Alors, quand vous voulez mettre du logement social, des bureaux, enfin, toutes sortes de programmes là derrière, comment faites-vous ? C'est un système extrêmement compliqué. Les façades seront intégralement restaurées, les vitres seront conservées, mais il y a une seconde façade derrière. Une seconde façade derrière qui fait des jardins d'hiver partout. Donc, il faut, bon, c'est des moyens absolument colossaux, des jardins qui profiteront aux bureaux, mais aussi au logement social. Les décisions sont lourdes. C'est le logement social qui va sortir à 4 000, 5 000 euros hors taxe du mètre carré. Vous comprenez, c'est... Bon, les planchers de verre, qu'est-ce qu'on va faire ? Les planchers de verre. Alors, planchers de verre, réglementation incendie, croyez-vous qu'on puisse les conserver ? Non. Les 120 000 mètres carrés de verre partent à la poubelle. Alors, naturellement, on a insisté sur la valeur patrimoniale de ce verre. Il fallait pouvoir. On en a donné des exemples. On a montré comment en Espagne, ici au Palais des Postes de Madrid, voilà des planchers de verre qu'on a pu conserver. Regardez un peu ce que c'est. Les planchers de verre, voilà. Et restaurés par quel truchement ? Regardez, vous voyez, j'ai mis mon pied là pour que vous voyez bien. Là. Ben non, mais il faut toucher les choses, vous comprenez ? Et donc là, comme ça, on voit cette transparence. Et donc, ils ont inventé des systèmes, c'est-à-dire, ils ont des coupe-feu, parce qu'il faut que ce soit coupe-feu 1h30, vous comprenez ? Bon, 90 minutes. Alors, pour rendre ce coupe-feu, ce verre coupe-feu 1h30, ils ont imaginé des stores à l'horizontale qui, en cas de sinistre, se déploient avec, naturellement, des entraînements réguliers, vérifications, je ne sais pas comment, mensuelles, pour voir si le store se déploie bien quand la chaleur augmente. Bon, c'est comme ça qu'ils... Donc, écoutez, tâchez de faire quelque chose, parce que dans les consultations, ici, c'est une Perse... En fait, il y avait deux équipes. Il y avait Herzog et Demeron aussi, qui étaient dans le coup, et puis Sanar. Et puis, c'est Sana qui a été retenu. Mais Sana a utilisé les... Il ne faudrait pas le dire. Mais enfin, bon, j'ai eu des échanges de bons procédés. Et vous voyez bien qu'ici, ils avaient promis. OK, on a compris, en effet, cette valeur patrimoniale des planchers de verre. Donc, on refait les planchers de verre dans la zone des grands halls de la maroquinerie et de la parfumerie. Sauf qu'entre-temps, bah, finalement, ça, non, je crois que ça passe à la trappe. Il n'y arrive pas. Il faut dire que le programme ne le permet pas. C'est une grosse question. Quel programme permettait ou non de conserver ces planchers de verre de la Samaritaine? C'était grandiose, cette histoire-là. J'avoue que tout le monde était enchanté. La maîtrise d'ouvrage aussi. Je crois qu'ils n'étaient pas très fiers quand ils ont dû renoncer à cette histoire. Et puis, alors, la fameuse façade. Voilà les façades sur la rue de Rivoli. Là, vous reconnaissez le magasin 1 et puis trop difficilement. Voilà. Et ça, c'est la façade du magasin 4 qui n'avait jamais été transformée par les époux Cognacq-Jay. D'abord, parce qu'ils étaient morts et ensuite, parce que c'était la crise. On n'a jamais pu faire ce travail. Ce sont des immeubles haussmanniens. Et là, là-dessus que la critique s'est déchaînée, la contestation s'est affolée là-dessus. Comment détruire toutes ces façades de pierre de taille ? Alors, les façades de pierre de taille, bah, les socles avaient été passablement transformés. Ici, dès la fin du 19e, on avait surélevé. Ce n'était pas non plus des immeubles haussmanniens pur jus. Et les intérieurs, naturellement, avaient été vidés, puisque la conquête du plein pied commercial exigeait de rabouter les niveaux, de détruire les planchers. Alors, c'est ainsi qu'on a essayé de montrer aussi que la rue de Rivoli n'était peut-être pas, n'avait pas cette unité qu'elle a par la suite. On a montré ça. Et ça, c'est l'image, j'étais à cette époque à la commission du Vieux-Paris, par laquelle on a connu ce projet de façade de Sana sur la rue de Rivoli. Je me rappelle la stupéfaction des membres qui étaient là. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Mais on n'y voit rien, c'est quoi cette façade ? Mais c'est pas... On nous enfume, disait quelqu'un. Enfin, bon, enfin alors ça, c'était... Voilà les façades de Devaux confrontées, quelques distributions intérieures, il en restait quelques petits morceaux. L'agence Sana a multiplié des croquis, des dessins d'intention pour montrer combien cette façade était parisienne, puisque les plis des ondulations étaient calqués sur les travées. Oui, bah, vous savez, ça vous fait sourire, je le vois bien, mais l'agence Herzog et Demeron avait proposé une façade toute unie, plate, d'un bout à l'autre, avec le grand gabarit des combles qu'on a un peu plus en aval, rue de Rivoli. Celle-là était vraiment pas parisienne. Par rapport à celle-ci, c'était quelque chose... Alors, vous voyez, ce genre de confrontation qui a été fait... Non, mais ils ont été très forts. Ils avaient un service de com' drôlement organisé. Et ces fameuses images que vous connaissez, qui ont circulé, vous voyez, l'image de la Samaritaine, voilà comment elle se construisait, n'est-ce pas ? Double pôle, celle qui ondule, et puis derrière, un mur véritable, et puis différents aspects pour se rendre compte que comment, dans ce cœur de Paris, pouvait se présenter cette... Ensuite, évidemment, voilà ces images. Alors, on a organisé toutes sortes de choses. Ici, vous voyez, ces vues de profil sur la rue de la Monnaie qui font voir, au fond, le projet de la fin des années 30, qui était une recomposition totale. Et à cela, on a opposé cette recomposition actuelle,
qui finalement tient compte des stratifications. Ici, vous avez la partie Jourdain, ici, vous avez la partie Sauvage, et puis ici, en addition, la partie Sana. Après tout, finalement, on n'y va pas du tout si fort que dans les années 30. Donc, j'ai organisé des journées d'études, Sana à la Samar, ça sonnait bien, les gens sont venus, voilà, on les a rassemblés, on les a fait un cocktail sur la terrasse de la Samaritaine, on a essayé, des articles dans toute la presse, y compris là, vous comprenez, quand les vitres sérigraphiées, enfin blanches, font mal, enfin fâchent plutôt, c'est plutôt ça le titre de l'article, comme vous voyez. Des maquettes ont été faites de toutes sortes, des moyens considérables mis à la disposition du public pour comprendre en quoi ça consistait, campagne de sensibilisation, et puis enfin destruction. Et ici, arrêt du chantier au moment où les contestations sont trop fortes et le permis de construire est annulé. Vous imaginez ? C'était quand même une période extrêmement drôle, parce qu'on s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, est-ce qu'on va garder ceci dans le centre de Paris de cette manière-là ? Alors, de nouvelles images ont été faites. Et puis, surtout, ce qui était plus intéressant, des protos de la façade ont été faits dans le bois de Boulogne, à côté de, sur les territoires LVMH, là-bas, à côté de la Fondation Vuitton. C'est très intéressant. Vous voyez, en effet, ceci, l'épaisseur, ici, n'est-ce pas, les attaches, tout type de fixation, qui finalement doivent être encore réétudiées. Et puis, des essais. Ici, on a plaqué au sol les façades d'en face pour voir ce que ça ferait si on les dresse. Bon, je veux dire, ils sont allés assez fort avec des personnages là-dedans pour se rendre compte de quoi il s'agissait. Et finalement, publication du bouquin. Voilà. Voilà. C'est ceci qui est presque l'épilogue. Cependant, quand même, vous voyez ces histoires de caramels disparus. Les voilà. À un moment donné, ils ont mis des grues. Et donc, ils ont, pour se mettre les grues dans le magasin, déposé ces caramels. Je passais là ce jour-là, j'ai dit, écoutez, ces caramels, il me les faut. Alors, on dit, comment faire ? Voyez ces images. Ils ont commencé un tri sélectif dans lequel ils séparaient le métal et le verre. Ce qui fait qu'il y avait des... Voilà le détail, n'est-ce pas ? Ces images qui vous montrent exactement comment c'est fait, n'est-ce pas ? C'est tout bête, n'est-ce pas ? Des fers, des cornières, et puis on loge les... Voici ces tas. Eh bien, je n'ai pas résisté. J'ai demandé un protocole et donc pour récupérer, et j'ai donc emporté ces caramels qui sont ici dans ma cave. Parce qu'à un moment donné, vous comprenez, voilà, à disposition naturellement, puisque maintenant, ça s'est su, les institutions, moi je l'ai fait parce que je savais très bien que c'était dans le statut du patrimoine, les arts et métiers à Paris pouvaient... Voilà, jusqu'au boutisme, à un moment donné, d'un investissement patrimonial. J'étais tout à fait d'accord, il est vrai, j'ai pris parti très nettement pour le projet de la Samaritaine, avec ses transformations. Je n'ai jamais pensé qu'une façade de verre puisse altérer le linéaire de la rue de Rivoli. Et il y a en revanche un certain nombre de facteurs patrimoniaux qui étaient entrés en ligne de compte dans la reconversion de la Samaritaine, et c'est peut-être une manière d'aborder, de lancer le débat. C'est assez curieux de voir, de comprendre que finalement tout ce qui a été dit dans la presse et que tout le débat qui a eu lieu sur la Samaritaine s'est focalisé sur la question de 70 mètres linéaires de verre ondulé, alors que pendant ce temps, on reconvertissait 70 000 mètres carrés de plancher et que les valeurs de patrimoine de la Samaritaine résidaient, à mon avis, dans bien d'autres choses. Elles étaient ailleurs, elles étaient certainement dans la terrasse sommitale, elles étaient dans les planchers de verre, elles étaient dans ces transparences. Beaucoup de choses que vous verrez quand vous passerez de l'autre côté, que vous serez architecte, eh bien, vous aurez bien du mal à faire comprendre à vos interlocuteurs. Merci de votre attention. Oui, merci pour cette belle conférence. Donc, on aura une vingtaine de minutes pour des questions-réponses. Et il faudra seulement parler dans le micro. Donc, ceux qui veulent poser des questions, attendent juste que je leur passe le micro. Parce que la conférence et les questions-réponses sont enregistrées. Du coup, voilà. Alors. Sur table d'écoute, ça c'est bien. Mais on est sur table d'écoute. Voilà. Oui, tout au fond, j'arrive. Ah oui, alors je reste près d'un micro. Et puis peut-être les questions susciteront le nouveau un passage d'image. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, le service des monuments historiques, quelle a été sa participation, tout d'abord, dans la construction de la Samaritaine ? Est-ce qu'il y a eu un débat avec lui ? Est-ce qu'il existait ? Et aussi, en ce moment, par rapport au projet, on voit que pratiquement il n'a pas existé quand il y a eu le projet de Sana. Il n'a pas su sauvegarder la valeur du patrimoine.
j'ai pas tout compris. Au moment de la construction de la Samaritaine, oui, dans les années 1890, oui. Comment c'est passé? Alors, ça c'est très intéressant, effectivement, parce que là c'était au pas cadencé, on a dit les choses très 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 vite. Quelles ont été les questions qui se sont posées quand tout à coup, au centre de la capitale, on a établi un magasin de métal et de verre, comme ça, hein? Eh bien, il faut reconnaître que ça s'est fait en fait dans l'intérieur des îlots. C'était pas en façade, ni sur la rue de Rivoli, ni sur la Seine. Ce magasin 2 s'est fait comme ça, finalement, un peu à l'insu, caché. Au fond du Louvre, on ne voyait pas. Du Pont-Neuf, il fallait se mettre très en arrière pour avoir, au fond, l'émergence. C'est quand les tourelles polychromes se sont érigées que là, le public parisien a commencé à se fâcher avec l'idée que ça devrait disparaître un jour. Donc la Samaritaine, bon, on était très partagé sur le centre de Paris. Il y avait les halles de Baltard. C'est assez, il faut se remettre dans ce contexte, ce que c'était. Ce centre de Paris, très industrieux, c'était pas les grands boulevards, c'était pas les quartiers chics du tout. En somme, c'était très, très pauvre au milieu. Voilà. Il y avait deux commanditaires qui avaient un projet faramineux, qui, quand ça n'allait pas, étaient prêts à mettre de l'argent sur la table. Voilà comment ça s'est fait. Mais ça n'a pas été nécessairement tout à fait en douceur. Du reste, c'est une sorte de slogan qui, la Samaritaine a toujours fait scandale. Oui, il y avait bien un côté magasin extrêmement tapageur. Mais c'était parce que c'était dans cet endroit-là de Paris que... Oui, la question est très judicieuse parce que, en effet, elle fait écho à ce qui est la situation actuelle, enfin de ces dernières années, où tout à coup, au centre de la capitale, alors là, vraiment, on en a parlé. Mais ça n'a pas suscité, non, cet élan patrimonial, un élan comparable à d'autres situations, non, comme par exemple, je sais pas, les grands scandales patrimoniaux de ces années-là, la destruction de l'hôtel Legendre, par exemple, qui était un hôtel de la fin du Moyen-Âge, rue Saint-Honoré, juste à côté, vous voyez. Non, pour la Samaritaine, non. Elle est passée un petit peu comme ça, un peu malgré les autorités, ensuite bien contente de pouvoir faire disparaître toutes les choses. Et ces campagnes de purge, vraiment, du côté Art Nouveau, avec volontairement, dans les années 30, oui, Art Déco contre Art Nouveau, sans doute, le blanchiment de toute la polychromie. Ce que vous voyez comme polychromie à la Samaritaine, elle est liée aux restaurations qui ont été faites dans les années 1980, très très tard. C'est une Américaine, Meredith Clausen, qui était chercheuse aux États-Unis, qui avait votre âge, qui est arrivée à Paris dans les années 70. Clausen, C-L-A-U-S-E-N, elle a également fait un important chapitre dans le bouquin, et qui est arrivée pour montrer aux Parisiens, mais vous ne vous rendez pas compte, ce magasin qui était complètement barbouillé, vous avez vu, avec les capotages partout, tout, eh bien, expliquer aux Parisiens, mais vous avez là quelque chose de fabuleux. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « The Samaritan of Franz Jourdain ». Alors, il se trouve que le titre était en anglais, mais le livre aussi, il n'a pas été traduit, ce qui fait que personne ne l'a lu. Mais cependant, quand même, les directeurs de la Samaritaine à cette époque, eh bien, ont commencé à faire des campagnes de restauration. Et les halls de la maroquinerie, de la parfumerie, ont été un petit peu restaurés. Voilà ce qu'on peut dire. Cette chercheuse, par ailleurs, a envoyé de Seattle, où elle habitait, toutes ses archives, piochées comme ça, aux puces, les bouquinistes, documentation de première main qu'elle a mis très aimablement à notre disposition. C'est un chapitre que je vous recommande. Oui, la question patrimoniale est très, très, très riche à propos de la Samaritaine. Mais celle du passé, celle actuelle ne fait pas totalement... celle du passé, qui était vraiment très, très... c'est passé comme une lettre à la poste, cette Samaritaine. Et en ce moment, l'architecte en chef des monuments historiques, ils ont dit quoi par rapport à ce projet actuel? Alors, l'architecte en chef des monuments historiques, qui fait partie de cette consultation, est Jean-François Lagneau, on peut le citer, parce que voilà, et qui adhère à ce projet, comme du reste à toutes sortes d'autres projets dans Paris. C'est un architecte en chef des monuments historiques qui ne craint pas du tout les conflits éventuels entre le patrimoine et les interventions contemporaines. C'est le moins qu'on puisse dire. À la Samaritaine, il me semble que c'était plutôt à juste titre, et c'est vrai que qu'est-ce qu'on va gagner là-dedans? Eh bien, le soin apporté à la conservation des façades et à l'invention de ces jardins d'hiver, à mettre en œuvre, c'est pas évident. La restauration des polychromies, les extérieurs, tout ça, c'est très 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 bien. Il
n'a, à mon avis, pas été assez vindicatif sur la question des planchers de verre. Parce que je vois quand même il y a toutes sortes d'endroits, même à Paris, où la question de la restauration des planchers de verre est à l'ordre. Et on arrive à le faire. Au siège de Paris-Bas, par exemple, on a remis en œuvre tout récemment des mètres, mais pas à l'échelle de tout le magasin, mais quand même, des grandes surfaces de planchers de verre. D'autres questions ? D'autres questions éventuellement ? Non. Moi, je souhaiterais poser une petite question. Vous avez en fait évoqué la possibilité de trouver un autre programme qui puisse en fait couvrir l'ensemble. Ah. Alors, est-ce que vous aviez une idée vous-même ? C'est très très difficile, mais c'est le nœud de l'affaire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que quand vous avez des édifices, il se trouve que voilà, c'est une manière d'être aussi historien, architecte, connaisseur. C'est-à-dire quand vous voyez un édifice, quel qu'il soit, la Samaritaine et ses planchers de verre, oui, par exemple. La question va se poser aussi pour les édifices religieux, par exemple, toutes sortes d'édifices architecture domestique. Que peuvent-ils devenir en ne perdant pas toutes les valeurs qu'ils avaient? C'est vrai que la Samaritaine et ses planchers de verre, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer à cette échelle-là, 80 000 mètres carrés de planchers de verre, comment est-ce qu'on pouvait envisager? Je crois qu'il fallait accepter d'en faire son deuil pour une partie. Je ne vois pas très 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 bien quel programme, à moins de vraiment laisser le monument périr et simplement devenir progressivement une ruine. Mais on ne voit pas vraiment. C'est une question, par exemple, pour prendre un autre exemple, on a beaucoup bataillé aussi pour la halle Fraissinet. La halle Fraissinet, c'est des coques de béton. C'est trois nefs de béton accolées avec des coques d'une très faible épaisseur. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? C'était une ancienne gare de triage ouverte à plein vent et dans laquelle qui va devenir le pôle du numérique à Paris. 22 000 mètres carrés, enfin, vraiment une surface considérable. Or, c'était un parapluie, donc à tout vent, qui doit devenir un thermos, n'est-ce pas ? Le protocole, la façon dont ils le font, est, à mon avis, est acceptable. On aura la vue de ces voûtes magnifiquement mises en valeur. L'isolation thermique, c'est par-dessus. Il y a des vitrages partout. Avec un peu de chance, les vitrages seront bien dessinés. Et bon, c'est une manière... C'est pas du tout évident. Garder un grand parapluie comme ça dans cet endroit-là, dans le 13e, personne n'en voulait, personne n'en avait besoin. Il fallait trouver quelque chose d'autre. Donc, c'est la très, très grosse difficulté. Quand vous êtes dans des édifices qui étaient des passoires, quelle que soit l'époque, et qu'il s'agit d'adapter à des usages contemporains, vous voyez bien ici toute la tripaille qu'il y a partout dans cette école. Dès qu'on commence à soulever, n'est-ce pas, un capotage, on voit les épaisseurs. Vous voyez, j'ai attiré votre attention, par exemple, sur la question des fluides, la verticalisation des fluides, par exemple, qui permet de libérer toutes les surfaces, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on... Voilà. Ce sont des sujets qui sont très, très peu traités dans certaines écoles d'architecture s'y mettent, c'est vrai. À l'école d'architecture de Lausanne, par exemple, il y a toute une formation maintenant, c'est pas très loin d'ici, parce qu'il se trouve que j'en viens, je suis à moitié suisse et de là-bas. Et donc, c'est vrai qu'à l'EPFL, à Lausanne, il y a plusieurs enseignements sur ces questions-là, de sensibiliser les étudiants. Ben, il s'agit d'avoir une connaissance technique de ces édifices, histoire des techniques constructives, pour savoir de quelle sorte d'édifices on parle. Connaître, par exemple, vous savez bien, l'application, par exemple, du plan climat dans différentes villes de France, n'est-ce pas, à Paris notamment, ça donne lieu à des débats extrêmement virulents, parce qu'on se pose vraiment la question de savoir comment ces édifices, l'isolation par l'extérieur, vous avez entendu parler, l'ITE, qu'on applique sur, je ne sais pas très bien comment ça pourrait se passer ici à Strasbourg, ces édifices en pan de bois qui perdraient tout leur aspect, vous voyez, c'est extrêmement compliqué, les menuiseries, tout cela. Bon, il s'agit de s'y connaître drôlement pour pouvoir opposer aux arguments de ceux qui vendent des isolants, des fenêtres nouvelles et toutes ces choses-là, qui peuvent évidemment avoir avantage à vendre le maximum de mètres carrés d'ITE et de vitrage. C'est-à-dire que peut-être les bâtiments du passé, pour certains, mais pas tous, et lesquels ont des performances, n'est-ce pas ? Les gens qui ont vécu là-dedans quand même pendant pas mal d'années. Qu'est-ce que ça peut devenir ? Quel est le bon programme pour quel édifice ? Vous voyez, qu'est-ce que, pour paraphraser Louis Kahn, qu'est-ce que ce bâtiment peut être ? Qu'est-ce que ça doit être ? N'est-ce pas ?
tout bâtiment confondu. C'est une question qui est cruciale et que certainement les architectes, si certains d'entre vous s'intéressent, je vois du reste pas très bien comment ça ne vous intéresserait pas, ou bien votre avenir dans l'architecture, je vois pas très bien ce que ça peut être, puisque vous savez bien que maintenant, on faisait le calcul en Suisse, c'est plus de 70% maintenant des projets d'architecture qui concernent la réhabilitation d'objets existants. On ne doit pas être très 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 loin en France, n'est-ce pas? Ça dépend des villes. On passe son temps à recomposer des choses, n'est-ce pas? Alors, ceci, évidemment, ça n'a rien à voir avec les projets ex nihilo qui étaient quand même la règle dans l'enseignement. Moi, j'étais étudiant à l'école d'architecture de Versailles. C'était la réhabilitation des objets du passé. C'était un enseignement très à part, qui avait sa réputation, et je l'ai suivi. Et ensuite, du reste, j'ai enseigné là-dedans. Mais c'était quand même très latéral. La plupart du temps, c'était un site magnifique, et donc on construisait je ne sais quel programme, mais ex nihilo. Or, de nos jours, c'est vrai que très souvent, on va être confronté à un édifice, facture traditionnelle, pas traditionnelle, métallique, béton peut-être, et quel béton? Vous comprenez que c'est extrêmement, il est nécessaire de s'équiper, de s'outiller de toutes sortes de connaissances pour arriver à avoir une attitude un peu, consciente sur ces objets. Bon, avec l'idée que, bien souvent, vous savez, moi je suis historien, j'ai fait partie de la commission du Vieux Paris. A priori, j'aime bien les édifices du passé, mais je pense qu'il faut quand même partir de l'hypothèse qu'on ne pourra pas en conserver beaucoup. Ou à moins de falsifications telles qu'à la fin, ils disparaîtront quand même. Quand on fait des opérations de façadisme, alors on étrisienne complètement la façade, il faut la retenir, c'est très ouvrageux, et derrière, on construit quelque chose qui n'a rien à voir. Dans des cas pareils, y compris du reste avec les plus scrupuleux à la Commission du Vieux Paris, souvent notre point de vue, puisque c'est une commission consultative, était de dire écoutez, non, tant pis, détruisez l'édifice et faites un bon projet à la place, ça sert à rien de conserver juste une espèce de simulacre d'apparence de l'édifice. Il y a des édifices qui sont trop fragiles, trop compliqués, ça vaut pas le coup. Et puis aussi, je dois reconnaître, dans le bâti parisien, ici c'est bien construit à Strasbourg, vraiment, j'ai vu des tas de belles choses. Mais à Paris, très souvent, le tissu faubourgien, des édifices, on ne peut que se réjouir qu'ils soient cassés. On vit dans des conditions absolument tragiques, avec des cours minuscules, vraiment des cages d'escalier fétides. Donnez-moi un bon coup de grue là-dessus, cassez-moi tout, on recommence. D'autant qu'il y a beaucoup d'architectes qui savent faire de très très bons projets, donc j'en connais. Donc je pense que vraiment la conservation des objets du passé, si vraiment on n'arrive pas, parce que vous savez, il y a un moment donné une circonstance, ça a été le cas pour la halle Freycinet. Bon, le bâtiment est complètement transformé, puisque encore une fois c'était un parapluie qui devient un thermos, mais c'est acceptable parce que c'est vrai qu'il y aurait vraiment une mise en valeur de la structure de béton. Mais il s'est passé une coïncidence, il y avait ce bâtiment qui était disponible, il y avait un maître d'ouvrage qui tout à coup jette son dévolu sur ce bâtiment, hop, top là, ce bâtiment est libre, j'en fais le pôle, apparemment la plus grande surface à l'échelon mondial du numérique, c'est vraiment quelque chose d'un incubateur, extraordinaire. Il y a une bonne circonstance, si vous voulez. À Paris, je me suis beaucoup occupé de l'hôtel Lambert, sur l'île de Saint-Louis, un hôtel du XVIIe siècle qui a racheté un prince qatari. A priori, heureuse coïncidence, un riche propriétaire qui veut vivre un petit peu comme vivait le commanditaire au XVIIe siècle, une vie familiale dans cette maison. Jusque-là, tout paraît très 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 bien, mais c'était compté sans l'évolution des modes de vie et des usages. C'est-à-dire que Jean-Baptiste Lambert, qui vivait à l'hôtel Lambert, avait son épouse, un petit peu de famille, pas grand monde, et puis puis les domestiques, pas mal de domestiques. Mais les domestiques vivaient dans les chambres des domestiques, superposées, à l'écurie. De nos jours, la suite et les domestiques du prince vivent dans des chambres individuelles avec des salles de bain, des douches. Vous voyez tous les tuyaux qu'il faut tout à coup, comme ça change. Et puis, ce prince a des limousines. C'est pas tout à fait on avait accommodé même dans les années 50 les voitures des Rothschild qui se garaient comme ils pouvaient dans la cour. Bon, c'est autre chose. Donc il fallait un parking souterrain. Donc il fallait des trémies dans la cour. Et puis troisième chose, ce prince avait, c'est nécessaire dans ces pays-là, et puis ça fait partie de leurs usages, la clim. Alors la clim, c'est donc une CTA. Il y a un centre de traitement de l'air. Et puis les tuyaux que vous savez, les gaines de ventile.
Alors, comment est-ce qu'on fait passer ça dans des planchers, des poutres, des solives, des planchers à la française, décorés avec des peintures dessous, des parquets dessus, dans les murs, les cloisons, comment faites-vous? Mais c'est une impossibilité totale. Le seul moyen, alors ça a été un débat qui a duré très très longtemps aussi, qui m'a occupé pendant presque 2 ans, cette affaire de l'hôtel Lambert, d'arriver à un protocole d'accord pour... On a gagné plusieurs choses. C'est qu'on a suggéré d'externaliser certains éléments du programme. On ne pouvait pas étendre l'hôtel Lambert, c'était une solution, extension de l'hôtel Lambert pour loger tout ce qu'on ne peut pas mettre dedans. C'est ce qui avait été déjà été fait au XVIIIe siècle. Pour préserver la distribution de l'hôtel Lambert qui paraissait si précieuse à cette époque, eh bien, le propriétaire, qui était un fermier général, avait acheté un bâtiment, la parcelle à côté, où il a fait construire un bâtiment. Il y a mis ses bureaux. Et comme ça, il a conservé notamment la fameuse galerie d'Hercule, alors que dans tous les hôtels à Paris, on les sectionnait pour faire des appartements supplémentaires. Donc on a suggéré d'externaliser notamment les garages, ce qui a été accepté. Les limousines se gareraient ailleurs, au boulevard Morland, et d'externaliser une partie de la suite des domestiques, afin de faire moins de chambres de domestiques. Il y a une chose sur laquelle on n'a pas pu transiger, c'est sur la clim. Et donc la clim s'est faite. Et la clim, le nombre de réseaux, la quantité de réseaux, vous savez ce qui s'est passé, ça a fini par prendre feu cette affaire. Ben oui, parce que les combles, vous auriez vu les coupes sur les combles qui étaient complètement saturées de tubes dans tous les sens. Parce que, évidemment, il fallait bien que ça passe par quelque part, toute cette tripaille. Alors, les combles ont paru être le point faible. Et les combles, alors évidemment, pour quelqu'un qui... Vous comprenez bien, les combles, ça paraît... Bon, les combles, il se passe rien, c'est pour les rats, les souris. Mais les combles, les charpentes, tout ça, c'était du dessin de Levaux, l'architecte. C'était des combles asymétriques, c'était des combles parmi les premiers qu'on faisait comme ça en France. Pour ceux qui connaissent les techniques du passé, imaginez les traits du charpentier là-dedans sous les ordres de quelqu'un comme Levaux. Ça devait être un régal, ne serait-ce que d'aller relever tout cela. Mais ça, c'est un patrimoine dont on commence tout juste à prendre conscience. Et l'idée qu'au fond, c'est une partie, le ventre mou de l'hôtel, est une idée qui, même à la Commission du Vieux-Paris, paraissait évidente. Mais c'est pas grave, on n'abîme rien si on fait tout passer par les combles, sauf que ça a quand même pris feu. Vous voyez, donc là, cette coïncidence qui paraissait heureuse, en effet, un riche propriétaire, oh, c'est formidable, on va récupérer, on va faire... Vous savez, ces idées qu'on avait dans les années 70-80, pour sauver un édifice, il faut en faire un musée. Alors, d'une part, on n'a plus d'argent pour faire des musées. Et puis, quand on sait un peu, si on fait un musée quelque part, on sait qu'on inflige le pire sort qu'on puisse infliger à un édifice, parce qu'il faut toutes sortes de réseaux, naturellement, ventilation, clim, chauffage, hygrométrie, il faut des réserves, il faut naturellement des sanitaires, il faut des vestiaires, il faut des... C'est pas simple. Vous voyez comment ça s'est fait dans différents endroits. Et puis, un musée dans un hôtel, songez-y. Un musée, il faut des pièces sombres. Or, l'hôtel parisien, si on pense aux hôtels parisiens, mais certainement ici aussi, c'est des cages à lumière. Au contraire, avec des fenêtres partout pour éclairer au maximum les intérieurs. Alors, vous êtes mal parti, parce que vous devez nécessairement occulter toutes les fenêtres. Donc, vous êtes complètement à contre-emploi. Il n'y a qu'un seul hôtel à Paris qui était bien fait et dont le type de collection se prêtait au cadre dans lequel il était, c'est le musée Rodin, parce que c'est la sculpture. Alors là, la sculpture, il faut l'éclairer. Puis on y va à fond. Il n'y a pas de problème. Alors, en effet, c'est une grande cage à lumière, c'est une volière, le musée Rodin. Et ça se prête, il y a une cohérence. Mais ce n'est pas évident d'expliquer ces choses-là à un public qui... Oh, bon, écoutez, si... Vous savez, le public qui ne comprend pas qu'une salle de bain puisse être éclairée naturellement, mais ce n'est pas grave, j'allume la lumière, c'est tout aussi bien. C'est une question d'architecture. Mais nous sommes dans une école d'architecture. Vous savez... Nous nous comprenons parfaitement parce que nous pensons tous la même chose. Mais votre travail, par la suite, et ça fait partie du reste de l'intérêt du métier, c'est d'évangéliser. Du coup, j'ai une question. Je suis pas du tout architecte. Je suis restauratrice du bâtiment, des objets. Oui. Vous parlez pas de la documentation du bâtiment, justement. Là, vous évoquiez les traits de coupe et la charpente et voilà. Oui. Et ça, c'est pas documenté avant qu'on fasse les rénovations, parce que enfin, quand on fait de l'archéologie, par exemple, bien sûr, on documente. Et moi, je me souviens avoir travaillé au bâtiment de la rue du Corbeau, enfin de la place du Corbeau, qui était un ancien. Une ancienne taverne du XVIe siècle,
en architecture traditionnelle qui a été après transformé en hôtel de luxe, et ben, en fait, y avait, nous, on a fait des études du bâti. Oui. On a fait les études entre l'archéologue médiéviste et moi qui suis restauratrice. On a fait les études stratigraphiques. On a décrit les différents programmes décoratifs. On a trouvé des gravures, des éléments de l'arche qui sont du décor, enfin, qui font partie de l'architecture, mais qu'on retrouve aussi dans les musées de Strasbourg au niveau du mobilier et qui sont conçus de la même manière avec les mêmes types de marqueterie. Enfin, il y avait là tout d'un coup, il y avait quelque chose qui est de l'immatériel mais qui est très palpable. Ah bah oui. Ces choses-là, normalement, on devrait faire ça. Ah bah il faudrait évidemment. Le mieux, on connaît ce que vous dites. Oui, qui est très intéressant, madame. C'est la question de l'archéologie du bâti. C'est-à-dire bien comprendre ce qu'on a. Et en effet, alors je vous ai pas décrit, mais j'ai passé avec mon associé 3 mois dans la Samaritaine à regarder les choses, faire des relevés, faire des sondages, y compris parfois destructifs, pour voir quelle était la bête à laquelle on avait affaire. Bien sûr, se documenter, parce que la documentation existe parfois sous forme d'archives. Oui, il peut y avoir des permis de construire, il peut y avoir des dessins, mais pas toujours, surtout pour les objets dont vous parlez. Bon, non, non, mais non, parce qu'un dessin d'architecture, entre le dessin et puis la réalisation, il y a une marge telle que, évidemment, il faut ensuite, mais souvent, quand vous faites frémir avec votre hôtel de luxe dans la taverne du XVIe siècle, parce que hôtel de luxe, ça veut dire des choses extrêmement lourdes du point de vue, naturellement, il faut de la clim, un traitement de l'air très très important, et puis des salles de bain, peut-être des jacuzzis, enfin des choses. J'ai abandonné. Oui, mais là, chère madame, c'était un peu démissionnaire. Oui. Mais je vous assure que c'est vrai qu'à la Samaritaine, à la fin, bon, quand ce sera achevé, j'irai certainement voir, je sais pas très bien, peut-être. Voilà, la distance qu'il y a entre les préconisations qu'on a pu faire et puis ce qui finira par émerger, c'était, voilà, la question des caramels que je garde. Oh, cette histoire de, voilà, quelle perte vraiment pour ce magasin. C'était pendant des années, oui, parce que ça a duré plusieurs années, et tous les gens que j'emmenais là-dedans, c'était une sorte de vertige, d'extase architecturale de voir ces immenses plein-pieds, n'est-ce pas, d'un bout à l'autre, de la rue de Rivoli jusqu'à la Seine, traités en verre comme ça. C'est incroyable. Voilà, mais on peut aussi comprendre, accompagner les choses, c'est peut-être essayer de, voilà, il y a quand même quelques gains, vous voyez, qui ont été obtenus, que, voilà, la cour d'un hôtel ne soit pas entièrement dépecée, que la terrasse sommite à la Samaritaine conserve son accessibilité. Voilà, bien sûr, non, mais c'est... mais ne pas accompagner jamais, bah, alors... Oui. Je suis d'accord avec vous. Oui. Voilà. Et que depuis toujours, les couches de vie et de construction se sont. Ah oui, mais alors. Alors, on continue à habiter. Donc, il faut s'adapter aux usages contemporains. Voilà. Mais il y a effectivement un certain nombre de documentation à effectuer. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on devrait. L'hôtel particulier. L'hôtel Lambert. L'hôtel Lambert, on ne l'a pas. Oui. Ben, ça m'étonne énormément qu'il n'y ait pas eu document, qu'on n'ait pas fait un constat d'état parfait, complet au niveau des techniques avant de le détruire. Parce que l'archéologie, c'est là qu'on détruit, on détruit de la même manière, hein, on détruit l'objet qu'on est en train d'étudier. Donc, on a l'habitude de ça. Mais on le documente avec le maximum de sincérité. Enfin, disons qu'il y a la valeur scientifique qui rentre en ligne de compte. Voilà, il y a peut-être cet aspect-là. Non, bien sûr. Mais la plupart du temps, les maîtres d'ouvrage n'ont pas nécessairement la patience d'attendre que les historiens, architectes, les spécialistes de ces questions-là, et qui ne sont pas très nombreux, il faut le reconnaître, se mettent au travail, retroussent les manches et fassent le diagnostic et attendent avec patience généralement. Le prince qatari, si vous y songez, il a choisi l'endroit de Paris qui est peut-être le moins agréable à vivre.
Parce qu'il n'a pas bien vu. L'hôtel Lambert, c'est une idée comme ça. On projette, parce que l'hôtel Lambert est très prestigieux, on le sait bien, c'est le plus ancien, sans doute, à Paris, le mieux conservé, la plus belle galerie. Mais du point de vue de l'habitabilité, pour quelqu'un qui craint les pruneaux, se mettre dans un édifice qui est grand ouvert comme ça sur la ville, qu'est-ce que c'est bizarre. Du coup, naturellement, il fallait mettre des vitres pare-balles à toutes les fenêtres. Vous comprenez ? Enfin, c'est tout à fait curieux. Il y avait d'autres endroits à Paris où s'installer, n'est-ce pas ? Et la plupart du temps, les maîtres d'ouvrage jettent leur dévolu, en effet, sur des édifices. C'est le cas, par exemple, oui, je me suis également occupé sans beaucoup de succès de la Poste du Louvre à Paris. Vous comprenez, dans un édifice qui est composé de grandes galeries métalliques de 7 mètres sous plafond et entre 50 et 90 mètres de long, l'idée qu'on va y mettre et des décors de bâtiments de 30 mètres d'épaisseur, l'idée qu'on va y mettre du bureau, oh mais quelle mauvaise idée, parce que ça va pas du tout, il faut faire des trous partout, il faut faire des cours, il faut faire des mezzanines. Et donc imaginez dans un édifice comme, je sais pas, une cathédrale, un édifice à nef, transformer un édifice à nef en bâtiment à cour, c'est idiot, vous comprenez, il va y avoir beaucoup de casse. Vous ne pouvez pas aller, à un moment donné, les bâtiments indiquent un petit peu une voie, n'est-ce pas ? Vous pouvez faire une boîte de nuit dans une piscine, il n'y a pas de problème, tout le monde est dans la cuve, c'est super, on s'amuse comme des fous. Ça, c'est... Il y a des choses qui sont possibles, si vous voulez. Mais faire du logement social, écoutez, en Suisse, on n'est pas très fiers, on est loin, la Basselle de Payerne, grand édifice roman, magnifique, vraiment, bon. À l'époque, par l'armée, c'était utilisé en écurie, logement des officiers, et puis ensuite, donc on avait planchéié. Simplement, et là, c'est un élément, parce que vous dites, on a toujours les stratifications. C'est vrai, mais les stratifications, la plupart du temps, on y allait parfois assez fort. Quand on a décidé de faire une forteresse sur le mausolée d'Adrien à Rome, vous savez qu'à Château-Saint-Ange, c'est quand même, on y est allé quand même assez fort, bien sûr. Mais en général, on y allait avec des petits moyens. Et avec des gens qui prenaient le temps, justement, se dire, mais enfin, ils faisaient transpirer un peu le programme de ce qu'était l'édifice. C'est pas idiot de transformer, après tout, un mausolée en forteresse, parce qu'il y a de la matière. C'est un point dur dans la ville. C'est assez malin de faire ça. Ce qu'il y a, c'est que de nos jours, voilà, c'est qu'il n'y a pas nécessairement l'interface entre les maîtres d'ouvrage et puis ensuite les spécialistes, les connaisseurs du bâtiment. Il y a vraiment des maillons qui manquent. Je veux faire ceci, maintenant faites-le moi, quoi qu'il arrive. Alors que, bon, on s'y mettait à plusieurs, n'est-ce pas ? Si vous pensez aux situations au Moyen-Âge, dans les villes d'Italie, la Renaissance, n'est-ce pas ? C'était des choses qu'on prenait très, très, très au sérieux, l'architecture. Il y avait beaucoup plus de gens qui s'y connaissaient en architecture qu'aujourd'hui. Et puis dans un pays comme la France, je ne sais pas comment ça se passe ici à Strasbourg, parce que vous êtes plus proche de régions civilisées, mais à Paris, bah oui, quand même, l'Allemagne, la Suisse, on respire. Mais à Paris, si vous voulez, personne n'y connaît rien dans l'architecture. Les décideurs ne sont pas entrés culturellement dans le XXe siècle. Ils n'aiment pas l'architecture moderne, enfin, du XXe siècle. Alors comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent, n'est-ce pas ? Ils sont dans une espèce de conflit intellectuel dans lequel ils jugent des choses absolument au radar, sans le moindre élément. Et ensuite, il faut dire que la façon dont on intervient sur l'édifice, on n'a jamais intervenu avec autant de violence que depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que, vous comprenez, la première chose qu'on fait, les bâtiments, on les met en lévitation sur des étagements de parking, on leur inflige quand même les plus grandes baffes de l'histoire, il n'y en a pas un seul qui puisse en réchapper. c'est vrai que... Alors, si c'est bien fait, tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Et à ce moment-là, c'est irrémédiable. Alors, la stratification qu'on impose de nos jours aux édifices, c'est quand même de les détruire. Alors, ce n'est pas tout à fait ce phénomène de table rase. Donc, la stratification, elle est plus visible. Parce que vous éradiquez toutes les couches historiques d'un seul coup. Allez, il ne faut pas terminer terminons sur notre joyeuse. Une autre question. Allons. Parce que ça, ce n'est pas possible. Voilà, il y en a justement là-bas. Moi, j'ai une question concernant la protection patrimoniale de la Samaritaine. Mm-hmm. Donc, je voulais savoir à quelle période elle a été protégée à titre des monuments historiques. Et oui. Est-ce que les planchers de verre, qui étaient vraiment un élément caractéristique, ont été à un moment donné protégés, ou est-ce qu'il y a eu des discussions sur cette protection ? Alors la Samaritaine a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, justement après les travaux de cette Américaine, vraiment bien, dans les années 80. Voilà, ça a été inscrit le magasin 2, le magasin 3.
Voilà, comme emblématique de l'architecture de Jourdain et de Sauvage. Il est vrai que le 1, c'est que des façades haussmanniennes, avec dedans on a rabouté les planchers, et le 4, il n'était pas fait, même histoire. Donc c'est le 2 et le 3. Mais vous savez comment, bien souvent, comment on classe, n'oubliez pas que les décisions se prennent bien souvent à Paris. Et donc, à Paris, on croit aux façades. Et donc, la plupart du temps, les édifices sont classés par leurs extérieurs. C'est les façades. C'est très très rare qu'on mette en œuvre des protections des intérieurs, n'est-ce pas ? Il y a cette dichotomie qui est absolument incroyable, mais enfin, vous savez, la ville de Paris s'est faite comme ça. Songez à la place Vendôme, vous le savez sans doute, la place Vendôme voulue par Louis XIV, on a construit les façades, et ensuite on a prié les gens de vouloir se mettre derrière. Dans un premier temps, ça n'a pas marché, parce que la place était tellement mal faite, les façades étaient tellement aberrantes, les percements n'avaient tellement aucun rapport avec la typologie des édifices parisiens. Mais on était pour leurs frais. Le roi était déçu, Mansart était pas fier, il a fallu tout détruire. C'est une place en U qui est devenue une place octogonale. On l'a faite plus petite, on a fait des proportions un peu plus modestes, et les gens ont fini par s'installer derrière, mais pas vraiment de gaieté de cœur. Ça a été très long. Parce que comment voulez-vous faire venir des gens derrière ces façades-là, des gens, les Parisiens, les familles patriciennes, vivent entre cour et jardin? Vous savez bien, il y a une cour, le corps d'hôtel, entre cour et jardin. Or, comment vous faites sur cette place, puisque vous avez la façade principale sur la place, ça ne plaisait pas aux gens. Donc il a fallu faire des compositions extrêmement complexes derrière ces façades pour que les gens retrouvent quand même la cour, le corps d'hôtel et le jardin. Mais on dépensait beaucoup, beaucoup d'argent, finalement, ce n'était pas très, très intéressant. Donc on se met partout ailleurs. Vous savez, c'est l'esprit parisien, qui n'est pas tout à fait comme un autre. Regardez comment les familles patriciennes en Angleterre se mettent derrière des séries, les terraces, ou bien autour d'un square, et tout le monde est très content. Mais à Paris, cette mise en ordre qu'on a essayé à plusieurs reprises, ça n'a jamais marché. Place des Vosges, c'est très très rare, vous voyez. Ça n'a pas. À l'époque haussmannienne, après plus tard, la bourgeoisie a accepté de se mettre le long des avenues parce que l'espace public avait complètement changé, les avenues sont plus larges. Et puis, c'était peut-être plus tout à fait la même société, c'est plus non plus tout à fait les mêmes moyens, vous voyez. Donc la protection de la Samaritaine, vous voyez, pour en revenir à cette question-là, l'idée de classer, des critères classement qui eussent pris en considération la question des planchers de verre, on en est tellement loin. C'est dommage. Parce que, on parle d'architecture, de transparence, de choses qui, vous voyez, on parle de choses qui, là, oui, c'est fort dommage. Non, mais c'est, vous savez, s'occuper d'architecture et de patrimoine dans un pays comme la France, c'est très intéressant. Ben oui, c'est extrêmement excitant parce que précisément, vous voyez bien que vous êtes. Il s'agit de données dont vous arrivez à convaincre certains. Allez, on réussit certains coups. Si, si, on a réussi quelques-uns. Mais ben, on ne gagne pas tous les coups. Oui, donc s'il n'y a pas d'autres questions. Il y a encore une question par là-bas. Deux questions. Pardon. Ah, parce qu'il faut libérer les lieux. Ah. Courte, s'il vous plaît, les réponses et les questions, les deux. Écoutez, vous êtes un public vraiment très, très... Merci, oui, je vous écoute. C'est très court. Maintenant que vous avez récupéré les dalles, ce qui est très bien, vous allez en faire quoi? Si vous saviez. Il se trouve que j'habite dans une région de Suisse où il y a des briques également de verre. J'envisage de créer un lieu de réflexion sur le verre, avec celle que je conserverai, voyez-vous. Mettre en œuvre quelque chose qui fasse penser, même si je n'ai pas les réseaux de la Samar, mais recréer quelque chose qui fasse penser à ça. Je vous remercie tout d'abord. Sinon, je veux savoir, est-ce qu'il y a un projet qui vous a vraiment marqué de reconversion ou d'un monument historique? Tout à fait. Oui, ça me fait très plaisir. Merci de cette question, parce qu'effectivement, il se trouve que c'est une coïncidence. Le ministère de la Culture néerlandais a demandé une investigation aux confrères, enfin futurs confrères, vous n'êtes pas encore architecte, des architectes néerlandais de venir à Paris pour voir est-ce qu'il y avait des exemples de reconversion dignes d'être relatés, d'être répertoriés, d'être examinés. Ils ont cherché, ils ne trouvaient pas grand-chose. Puis à un moment donné, ils sont tombés sur une médiathèque. Et c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, vous avez écrit sur cette médiathèque, ça nous a beaucoup intéressé, on a vu le bâtiment, vous en dites du bien, vous connaissez les maîtres d'œuvre. Je dis, ah oui. C'est un cas très très intéressant, c'est vrai. Médiathèque Françoise Sagan à Paris. Oh, elle est très très documentée, vous trouvez ça sur... y compris sur mon site. Non, mais ils ont un site.
tapoter, c'est l'agence Bigoni Mortemar. Bigoni comme Bigoni Mortemar, comme Mortemar, comme les Mortemar. Voilà. Ah non, parce que c'est un D, pas un T. Bon, enfin voilà, c'est quand même des Mortemar. Et donc, et là, c'est un cas tout à fait exemplaire d'un traitement violent d'un édifice. Violent. Mais c'est très très réussi. C'est une opération dans laquelle on a intégré un mur rideau en lieu et place d'anciens vitrages qui n'étaient pas performants, des grands planchers. Vraiment, là, il y a une belle coïncidence. La ville de Paris, qui avait les moyens de faire, je crois que c'est la deuxième médiathèque de Paris, une grosse médiathèque, un bâtiment qui était disponible, deux bons maîtres d'œuvre qui ont vraiment fait là un travail digne d'être noté. Et du reste, il y a une journée qu'on fait le 8 juin à Paris, justement, pour parler de cette médiathèque avec ces Néerlandais. Et voilà, j'ai mis ces gens en contact. Oui, c'est un exemple. Mais j'en cherche, justement. Alors, en Suisse, on a... Tenez, là-bas, c'est médiathèque, donc il a fallu intégrer tous les réseaux, parce qu'il faut chauffer, il faut climatiser, on ne peut pas plaisanter là-dessus. Vous verriez la façon dont vous avez des voilages extérieurs qui tamisent la lumière, la façade de pierre de taille fait une grande claire-voie. C'est une opération de façadisme, si on veut, mais du façadisme contrôlé, puisque la claire-voie de pierre de taille est là pour éclairer d'une certaine manière, par sa matérialité aussi, bien sûr, les intérieurs. Ça, c'est un cas. En Suisse, j'évoquerai le château de Nyon, N-Y-O-N. Là, c'est l'architecture avant tout, et l'architecte a décidé que c'est un château qu'on visiterait avec son chapeau, avec ses gants et son écharpe si on est en hiver, parce qu'on ne va pas le climatiser, on ne va pas le chauffer, on va le tempérer simplement. Donc ça permet de réduire énormément les choses, ça permet de conserver les vitres anciennes, les menuiseries anciennes, ça permet d'en conserver des quantités. C'est une attitude qui commence à se développer pas mal en Suisse. Il y a plusieurs exemples de ce type. Mais Nyon, d'abord parce que c'est pas très très loin d'ici, c'est entre Lausanne et Genève. Excusez-moi, j'ai l'accent là-bas quand je parle de ces choses, parce que je repars dans mon pays. Et donc ça va passer, pardon, ici on est en France, je vais pas vous faire rire. Voilà, deux bons exemples, si vous voulez, qui sont documentés aussi, château de Nyon, avec... Là, vraiment, toute la machine... Bah, vous visitez avec chapeau élégant, bah, du coup, il n'y a pas de vestiaire. Vous comprenez? Vous limitez énormément avec simplement l'idée que bah, l'hiver, il fait un peu froid, et puis que l'été, il fait chaud, qu'on ouvre les fenêtres. Tenez, un exemple. Chez moi, maison de campagne, problème de gel, une fois toute mon installation a pété. Pas de chance. Vous savez ce que je fais maintenant, chaque fois que je pars? Pour faire hors gel, j'ouvre simplement les portes des caves, et je laisse toutes les portes de la maison ouvertes. Ce qui veut dire qu'il y a, vous comprenez bien, l'inertie thermique opère et donc la maison ne prend plus jamais froid. À un moment donné, c'est des choses toutes bêtes. Si ces questions vous intéressent, j'organise souvent des journées d'études sur ces thèmes-là et le partenaire en Suisse que je cite en fait de manière absolument effrontée sans le citer, c'est Christophe Amsler, A-M-S-L-E-R. C'est lui qui est l'architecte du château de Nyon. C'est cette idée, vous voyez, que voilà, les choses peuvent exister d'une manière toute simple, simplement en regardant, en auscultant, en considérant, en étudiant, comme vous disiez, madame, oui, oui, étudier. C'est très important de comprendre la qualité spécifique d'un objet, que ce soit un objet architectural, un objet. C'est toujours ça qui est très important, et c'est ça qu'il faut respecter. Ben, vous l'expliquerez bientôt au maître d'ouvrage. Ah ben non, parce que vous n'êtes pas architecte. Ben si, mais oui, mais dans votre profession, oui. Mais d'un autre point de vue, je trouve que c'est plutôt éduquer un peu les gens à agir autrement. Bien sûr. On l'a respecté comme quelque chose... Oui, c'est vrai que ça a fait tiquer le public parisien, mais bon, qui connaît ces pays et ces régions sans clim, c'est absolument comme si dans une ville comme Strasbourg, il n'y avait pas le chauffage central dans les maisons. C'est particulier, hein. Mais, oui. Oui, je sais bien, mais ça, je sais bien, c'était notre affaire. Oui, donc je pense qu'on va lever la séance, pardon, je vais y arriver. Et merci du public et merci de Monsieur Cabestan. Merci du public, vous êtes un public vraiment extrêmement agréable. C'était un plaisir de venir faire des conférences ici, je reviens quand vous voulez. J'ai un site et si vous intéressez à mes choses, n'hésitez pas, je peux vous inclure sur la mailing list, vous m'envoyez un petit message, comme ça vous serez au courant de ce que j'organise comme conférence sur ces thèmes bien souvent à Paris, à l'INHA. Institut national d'histoire de l'art. Voilà. Bonne soirée à tous et merci encore. Bravo!